Ça, voilà, je vois qu'il y a de sacrées gueules dans le groupe. Hein. Oh, Bella. Entre Bella et Cusek. J'ai pas choisi ma voix là, je suis en train de. Tout le monde est là, c'est bon. Il y a de la tronche. Hein. Il y a tout le monde qui est là aussi, c'est bon. Eh bien, on est prêt. Ben, ça va partir alors. Yes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok. Alors, vous me dites ce que vous voyez parce que je sais pas si tout est paramétré correctement et au pire, on fera. On verra. Ok. Au cœur pur. Ah, j'avais pas vu. Au cœur pur. C'est parti. Est-ce que ça change? Ouais, oui, nickel. Oui, pardon. On a la carte. Oui. Ok. Alors, je vous écris un petit texte au début. Votre histoire prend place dans les terres millénaires du Val des Brumes. Enclavées dans les monts écarlates, ces terres sont recluses du reste du monde. Il y baigne une atmosphère unique où la magie et le fantastique semblent plus présents que partout ailleurs. Vos aventures commencent dans la petite ville de Ronstour, au sein du duché de Valclair. Ce hameau, fortifié, ressemble à un grand village si l'on nommait qu'il abrite le château du seigneur local, le duc Arsin. La ville est à la fois une des plus anciennes de la région et une des plus singulières. Elle est réputée pour le bouclier divin qui l'entoure, bénédiction de la déesse Timora, grande protectrice de la ville. Il y a quelques jours, vous étiez de passage à Pont-Royal, la capitale du Val des Brumes, et c'est un appel à l'aide qui vous a poussé à prendre la route. Chacun de votre côté, vous avez rencontré un émissaire de Ronstour sur la place publique qui clamait que le duc Arsin recherchait de l'aide pour défendre sa ville et enquêter sur les maux étranges qui frappaient le duché depuis ces dernières semaines. Voulant porter secours à une population dans le besoin, simplement briser la monotonie ou fur à pas du gain, vous avez décidé de saisir l'opportunité et de répondre à l'appel. L'émissaire vous a remis à tous un laissez-passer écrit de la main du duc et une invitation à se présenter au château dès votre arrivée. Vous êtes donc actuellement en route vers Ronstour dans une caravelle qui traverse la mer aux sirènes sur des eaux calmes. Vous partagez ce voyage d'environ 2 jours avec une quinzaine d'autres passagers. Bien qu'ils vous soient tous de parfaits inconnus, vous avez pu échanger sur les diverses raisons qui vous amènent vers cette ville. Entre omissions, mensonges et franchises, il n'en reste pas moins que 5 d'entre vous semblent avoir pris la route dans l'idée d'apporter leur aide au seigneur Arsin. Le soleil décline au loin et vous arrivez en vue des remparts. La caravelle s'immobilise dans un port modeste à une 50aine de mètres de la porte ouest et vous descendez dans l'air frais et humide des soirs de printemps. Vous remontez le chemin vers Ronstour et votre regard se pose inévitablement sur l'aura bleutée qui entoure la ville. Sa lumière douce baigne les visages d'un halo fin et quasi imperceptible, donnant à tous un air féerique. En observant le bouclier, vous constatez qu'il est par endroits bien visible et qu'à d'autres, il semble aussi fin que de la soie. Les autres passagers commencent à entrer dans la ville ou disparaissent dans la nuit sur des chemins mal tracés vers on ne sait où. Vous êtes devant la porte ouest et il est 19h, au début de vos aventures. Et normalement, ça devrait changer. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Alors attends, oui, ça l'image est en train de charger. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu fou chez moi, je crois. Et vous êtes en... au milieu à gauche. Yes. Yes. Ah, ça y est, c'est entré. Est-ce que tout le monde peut bouger son token? Est-ce que tout fonctionne? Je peux bouger mon token. Oh, ça va. Par contre, ouais, j'ai juste la map qui est très très pixelisée. Je sais pas si c'est... Ah, ça va venir, ça va venir. Ah, ça doit charger, non, c'est le temps de la mise au point. Voilà, ça va venir. C'était pareil pour moi et c'est arrivé. C'est, bon. C'est parce que je louchais en fait. C'est quand j'ai arrêté de loucher. J'avais pas mis mes lunettes. Vous êtes donc devant cette porte, devant Ronstour, vous venez d'arriver. Tous les autres passagers de la caravelle sont partis. Il ne reste plus que vous. Et vous êtes à peu près le groupe qui avait été identifié, enfin que vous aviez identifié dans la caravelle, comme des autres personnages qui auraient répondu à l'appel d'Arsin. Du coup, je vais vous laisser présenter chacun votre personnage, voir un peu comment est-ce qu'il est. Est-ce qu'il y en a un qui démarre ou est-ce que je désigne? Je sais pas. On peut le faire par ordre de la présentation là sur le. Bella, Lyra, Kellen, Aris, Kusek. Et bah alors Bella en route. Moi déjà, vous avez vu que ce personnage pendant tout le trajet était dans un coin du bateau et qui avec sa capuche, il essayait de se cacher. Beaucoup de gens se sont moqués de lui et il est resté quand même
très discret, et puis il continue un peu à être un peu loin de vous avec sa capuche toujours. Il essaye de. Il est très marqué quand vous arrivez à voir ses yeux. Vous voyez qu'il a des grosses cernes. Il est extrêmement laid. Et on dirait qu'il a des déformations au niveau du visage. Il a des espèces de bosses un peu partout. Et des traits du visage grotesques, hein, vraiment. Et de nombreux signes hideux, des mains avec des grands doigts et des grandes griffes. Mais il sourit, il arrive à sourire de temps à autre. Il semble pas méchant, mais il parle pas beaucoup. Et il parle très mal aussi. Il parle très mal, comme si il n'était pas vraiment habitué à se servir de sa voix. Voilà. On pourrait le prendre pour un monstre, hein, c'est vrai, parce qu'avec ses veines, avec ses yeux qui sont profondément enfoncés dans ses orbites, hein, et souvent sans vie en plus, donc voilà, c'est Bella, il est un peu loin de vous, il semble très timide, très réservé, mais il est là. Lirael. Pour moi, Lirael a passé tout le voyage à bouger en fait un peu partout comme si elle tenait pas en place, allant d'un côté à l'autre du bateau en regardant par-dessus, presque même en presque tombant par-dessus bord tellement elle était excitée. Vous avez bien compris que c'était sa première aventure et que avant ça elle s'occupait surtout de divertir la population. Du coup, oui, elle s'occupait de surtout divertir les nobles, en fait, ce qui lui a permis d'avoir un accoutrement assez. Enfin, vous voyez qu'elle a eu un petit peu de sous. Vous voyez aussi que. Enfin, vous avez à première vue pensé que c'était une humaine, mais assez cachée dans ses cheveux, vous avez pu. Constaté deux oreilles pointues qui vous a indiqué que c'était une demi-elfe. Vous avez aussi remarqué qu'elle avait tendance à vraiment remettre ses cheveux pour essayer de cacher un petit peu ses oreilles. Et puis, elle vous a tous un petit peu parlé pour voir qui vous étiez. Hé, hey. Kellen. Alors, Kellen. Kellen est un homme. Un humain, je veux dire. D'à peu près, on voit qu'il est un peu baroudé, il a 34 ans, il en fait un peu plus, il est de taille normale, 1m75, autour des 75 kg aussi. Il est lourdement armé, vous avez pu voir donc constater qu'il a des épées, des courtes et longues. Il a une armure sur lui, une armure lourde, une cotte de maille. Vous voyez que tout son équipement en fait est correct, mais on voit que ça a du vécu. Vous voyez par exemple la côte de maille qui a quelques endroits où elle est légèrement un peu bosselée, les armes sont un petit peu fatiguées au niveau des paumes. Même si c'est correctement entretenu, on voit qu'il y a du vécu. Il a une démarche assez droite, assez. On voit en lui un soldat, ou en tout cas quelqu'un qui a suivi une formation académique de soldat, dans sa manière d'être. Il est brun, enfin il a les cheveux noirs, une barbe. Il a le regard, la peau assez blanche et un regard assez dur, on va dire, sans être non plus trop méchant, quoi. Voilà, il est juste un petit peu dur dans sa manière d'être. Vous voyez que vous avez pu voir pendant les deux jours qu'il s'impose quand même une certaine discipline, c'est-à-dire que vous avez pu le voir, il n'avait pas l'armure sur lui pendant sur le bateau, mais tous les matins, tous les soirs, il s'entraînait en faisant des exercices avec ses épées. Le soir et le matin, il maintient une certaine hygiène en tout cas. Vous avez pu voir la particularité, il a l'air de manier deux armes en même temps, deux épées longues, qu'il manie a priori assez bien, et qu'il utilise a priori en même temps, quoi. Écoutez, rien de plus pour l'instant. Il a écouté la musique de Lirael et a semblé intrigué par l'apparence de Bella. Mais il s'est montré assez correct, sans en faire trop, quoi. Voilà, juste des petits regards, sans plus. En coin. Alors, Harry, c'est aussi un humain. Alors, tel que vous le voyez, il est habillé avec des vêtements assez médiocres. Il a il est barbu, il est mal coiffé.
Il a une veste en cuir de visiblement fait avec des peaux de poisson et des bottes dans un cuir d'un animal difficile à identifier. Tout ça est un petit peu élimé, c'est pas très élégant. Et puis de temps en temps, il se coiffe d'un chapeau un peu informe et il a sur l'épaule souvent une petite gaffe de batelier. Et il a aussi un arc long en travers de l'épaule. Et puis quand vous l'approchez, en fait, il sent pas très bon. En fait, c'est une odeur de vase ou de fange. C'est pas très agréable. Il est assez calme, mais il est pas très causant. Et Cusec. Et Cusec est un nain. Vous l'avez vu pendant ce trajet de deux jours. Tout de suite, elle est liée connaissance avec les membres d'équipage, avec celui qui s'occupe de la cambuse, etc. Essayer de faire en sorte de créer tout le temps des situations festives. Vous avez vu qu'il a une bonne descente et qu'il est toujours le premier pour faire la fête et encourager tout le monde à picoler plus que de raison. Il a aussi beaucoup encouragé l'Irael à jouer et à créer, à mettre en place une ambiance festive avec tout le monde. Concernant son apparence, donc c'est un nain aux cheveux et à la barbe rousse, vraiment d'aspect un peu dépenaillé, avec une armure d'écaille mais un énorme bide à l'air, avec des tatouages dessus, certains en forme d'éclair. Et vous avez pu voir aussi autour de son cou un médaillon avec dessus trois symboles d'éclair qui se rejoignent. Il a un bouclier dans le dos et il porte une énorme masse d'armes aux côtés. Voilà pour Cusec. Et parfait, parfait. Du coup, vous êtes donc devant cette porte ouest de Ronstour. Il n'y a pas tellement de monde autour de vous, c'est assez calme. Il commence à faire nuit. Et vous avez dans votre poche laissez-passer et cette lettre du Duc Arsin que vous avez acceptée qui vous dit de le rejoindre au palais, dans le château. Écoute, moi je m'approche du garde et sans dire mot, je lui montre le laissez-passer. Et je lui demande juste est-il possible d'avoir une séance. Il prend le papier, il le regarde et il dit passez, c'est tout droit, vous verrez, la porte du château est à droite, vous pouvez pas le rater, c'est le plus grand bâtiment de la ville. Juste à Sherpé, le truc qu'on voit là bleu, c'est ça, c'est en fait la protection, c'est la... Oui, c'est le bouclier. Okay. Ouais. C'est le fameux bouclier. C'est le bouclier d'accord. De la ville. Ouais. Ok. Je jette un coup d'œil au bouclier, c'est vrai que c'est étrange, c'est la première fois que je vois ça moi aussi. Et je trouve ça assez impressionnant pour le coup. Et quand tu passes, tu ressens une petite sensation, comme un petit courant électrique, mais ça fait absolument pas mal. Qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez Bella qui semble se protéger les yeux comme s'il était aveuglé, il n'avait pas trop l'habitude de autant de lumière et il passe en marmonnant un peu. Je jette un coup d'œil à Bella et je lui dis juste vous n'aimez pas la lumière? Ah mais Bella pas habitude lumière trop forte pour Bella. J'ai l'impression d'entendre un kobold. Mais grave. Je passe les deux bras devant moi. Moi, j'essaie d'écarter un peu le bouclier autour de moi, comme si je faisais de la brasse, tu vois, en pénétrant à travers ce bouclier. Et tu vois autour de tes bras qu'il y a des petites étincelles bleues et tout. Ça fait pas mal, mais c'est joli à regarder. Ah, j'aime bien ça. En passant devant les deux, je sais pas si c'est des gardes ou enfin. Oui, c'est des gardes. Je les salue en me penchant et je fais « Enchantée, moi c'est l'Irael !» Très bien madame, enchantée. Et ils restent là où ils sont, ils te laissent passer. Ah, ils ne sont pas très polis. Ce sont des gardes. Ils ont pour
fonction de surveiller, pas d'être aimable. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pas faux. Mais bon. C'est où qu'il faut aller, du coup? Tout droit, il a été dit. Elle entre, elle est par là. Si vous voyez... Je peux me perdre facilement, vous savez. Eh bien, suivez-nous. Faudra quand même qu'on se renseigne sur l'auberge du coin. Moi je jette des coups d'œil à droite et à gauche parce que je suis franchement pas habitué à des bâtiments aussi imposants. Du coup, vous arrivez sur la place de la ville, il y a un grand bûcher au milieu, ça fait une chaleur qui est assez agréable dans le soir de printemps. Il y a du monde sur la place, mais c'est assez silencieux. Et la porte du château, elle est ici. Attends, oui, oui, oui. Ouais. Où ça, t'as dit? Au sud. Ouais. C'est ici, c'est ça? Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu. Voilà, okay. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi mon PC... Non, mais c'est bon. Prend mille. Est-ce qu'on sait si le bûcher s'est inséré... D'ailleurs, je demande carrément en passant à quelqu'un. Tiens, on garde avant d'entrer. Lui là, par exemple, je lui demande juste ce bûcher, c'est en l'honneur de. C'est pour une cérémonie particulière ou vous faites ça régulièrement? Non, pas du tout. C'est avec les attaques. La nuit, il faut qu'on laisse de la lumière. Vous savez, depuis quelques semaines là, c'est une catastrophe. On a des attaques quasiment tous les jours. C'est. On sait plus quoi faire. Des attaques de quoi? Ou de qui? Oh, ça change, hein, ça change. C'est des créatures de la forêt qui viennent. On a eu des loups, on a des araignées, c'est des trucs qu'on n'avait jamais vus dans la forêt. Mais là, hein, araignée, c'est bon. Il entend et il te regarde un peu étrange et te dévisage de haut en bas avec ta dégaine un peu étrange. Il n'est pas très rassuré. Moi, je regarde Bella et je dis ouais, c'est bon les araignées, mais c'est pas très nourrissant. Il n'y a que ça qu'à manger, il faut les manger, c'est bien. Et en fait, il passe, il tire sa capuche pour pas que. Pour éviter la lumière. Vous voyez qu'il se cache de la lumière. C'est là qu'il faut aller. J'ai bien l'impression. Oh, l'équipe. Sacré équipe, je sens. La Dream Team. Allez. On peut rentrer, monsieur? Qui c'est que vous venez voir? Et le gouverneur, je crois, non, c'est pas ça? Tant on laisse passer. Le duc? Oui, le duc. J'ai pas l'habitude. Je passe un peu devant tout le monde pour parler. Et je parle même presque un peu plus fort pour recouvrir toutes vos voix. Oui, on est attendu par le duc, le duc Arsène. Ah, très bien, très bien. Et je montre le laisser passer. Quand il voit le papier, il te dit « Ah oui, oui, allez-y, allez-y, c'est tout droit, traversez le hall. » « Mon nom est Liraël, enchantée. » « Enchantée, Liraël. » « Enchantée. » Oh putain. Un jour, je serai connue. Je crois que là, il y a le Top Gun des personnages, là. La crème de la crème. Un peu moins de lumière, c'est mieux. Quand vous entrez dans le hall, c'est une grande bâtisse en pierre très ancienne qui est éclairée par des chandelles. C'est effectivement la lumière, elle est assez tamisée. Il fait meilleur que dehors. C'est un très vieux bâtiment et vous voyez juste deux personnes dans le hall qui sont en train de passer et qui ont l'air de discuter. Tous les deux ont des bouquins, dont une avec une énorme pile et l'autre juste avec un bouquin ouvert et ils sont en train de discuter. Bonjour. Enchanté. Vous êtes? Elle, c'est Liraël. Liraël. Ah, enchanté, j'aime Liraël. Merci, enchanté. Et vous êtes? Mais c'est moi qui parle. Pourquoi elle me coupe la parole? Et là, du coup, c'est un nain. Et du coup, quand il te regarde, tu vois qu'il bloque un peu. Et il reste bloqué sur toi. Il te regarde.
Il n'ose pas parler. Enchanté, je suis Elim, je suis le comptable du château. Oui, et en fait, il perd un peu ses mots. Et... Oui, moi, Bella Louvre. Bella. Oui. Et bien, enchanté, monsieur, enchanté. Ah oui, merci. Moi aussi, enchanté, moi. Bon, bah, puisqu'on fait les présentations, moi, c'est Harris. Harris Odormante. Enchanté, monsieur Odormante. Oui, bon, on va pas y passer toute la soirée. On doit voir le duc d'Arsan. C'est pas vous, j'imagine. Ah, non, non, pas du tout. Moi, je suis le comptable. Continuez tout droit. Voilà, continuez à compter. Très bien. Un, deux. Moi, j'avance en mode... Pouf. Et aujourd'hui, vous comptez discuter avec toutes les personnes qu'on va croiser ? Non, Bella, c'est la police. Bella dit bonjour. Bella, pas voir de gens pendant 60 ans. Moi, j'entre. Ça fait beaucoup, dis donc. Et je vois donc deux personnes. Exactement. Quand vous entrez dans la salle du trône, c'est une salle qui est richement décorée. Il y a des chandelles tout autour. Du coup, la lumière est un peu plus intense que dehors. En face de vous, il y a deux trônes en velours rouge, surélevés. Et dessus, il y a deux personnes. Un homme assez vieux avec une barbe grise. Est-ce que je peux vous le montrer ? C'est comment le raccourci pour montrer déjà que je... Mage Z. Mage et Z. Est-ce que vous le voyez ? Ouais. Oui. Du coup, c'est un... Exactement. J'ai bien travaillé. Du coup, vous avez cet homme en face de vous. Donc, il est richement vêtu. Et en face de lui, vous avez ce qui semblerait être sa femme, vu qu'elle est assise sur le... sur le trône d'à côté, qui est une femme aux cheveux gris, tout aussi richement vêtue. Et quand vous entrez, le duc, du coup, vous interpelle en vous disant « Oui, c'est pour... » La cavalerie est là, vous êtes sauvés. Ah, vous avez répondu, vous avez trouvé l'émissaire à Port-Royal. C'est cela. Oui. Ah, vous avez bien fait de venir. Je suis tellement content de vous voir. Oh là là. Mais entrez. Vous avez fait bon voyage ? Oui. Oui, humide. Ça va. Ça va ? Eh bien. Vous savez, je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui répondent déjà à mon appel. Je sais vraiment plus quoi faire. On est vraiment désœuvrés avec la toute petite armée que nous avons. Voyez-vous, il y a 3 mois, notre druide Ramian, qui est le... notre prêtre un peu de Timura, notre déesse protectrice, a disparu. C'était notre lien le plus fort avec la déesse. Et en vrai, je crains que sa disparition n'ait éveillé sa colère. Depuis, une malédiction semble s'abattre sur notre village. Malédiction. Vous voyez Bella qui est en train de dire malédiction. Il semble parler dans sa tête. Non, malédiction. Et donc, je me tourne et je dis mais... Qu'est-ce que tu dis ? Non, Bella, non, Bella rien dit. Bella, écoute. Moi, je t'ai entendu, hein. Tu sais, non, j'ai l'oreille fine. Ah, j'ai pensé trop fort. Et en fait, il ferme sa bouche comme tu vois, il serre sa bouche comme ça, mais il y a ses lèvres qui bougent quand même. Et comment se manifeste cette malédiction ? Je te vois, je vois tes lèvres bouger là. Non, Bella, dis rien. Non, rien dire. Pardon. Après, mais comment se manifeste cette malédiction ? J'ai pas entendu. Et comment se manifeste cette malédiction ? Ah bah, ça a commencé par des météos changeantes. Le soleil a cessé de briller. Depuis, on essuie des orages, de la grêle. Il est même tombé de la neige. Oh là là, de la neige ! Ah bah, oui, je ne voulais pas dire. Et... Nos récoltes sont à risque. Nous sommes des paysans. Nous risquons la famine. Et pouvez-vous nous expliquer les circonstances de la disparition de votre prêtre ? Ah bah oui. Son bureau est au château. Du coup, il m'a informé qu'il sortait dans la forêt récolter des ingrédients. Et depuis, il n'est jamais revenu. Il est parti seul ? Oui. Mais c'était dans ses habitudes. Il avait l'habitude d'arpenter la forêt pour toutes sortes d'ingrédients. Vous savez, c'est lui qui fait les potions. Il officie un petit peu comme médecin. Et vous souhaitez qu'on le retrouve ?
Voilà. Personnellement, je pense que c'est ça qui a amené la malédiction. Mais il a laissé des indices de sa destination sur le dans son bureau, ou vous êtes au courant où, à quel endroit il devait aller dans la forêt? Vous savez, son bureau est là, je pourrais vous emmener si vous voulez. La forêt, je ne m'y aventure pas trop. Je ne sais pas où il allait. Mais on a aussi entendu quand même parler d'attaques d'araignées, de loups, etc. Oui, de sangliers aussi. Oh là ! Ah bah oui. C'est tout à fait inattendu. Le bouclier était censé nous protéger. Nous n'avons jamais vu ce genre de créature dans la forêt. Enfin, de ce que je sache. Et depuis, vous avez sûrement dû voir en entrant, le bouclier, on dirait qu'il a des trous. Des trous. Vous avez pas essayé de le recoudre? Ah, tu vois qu'il te regarde, il sait pas trop quoi en penser, mais il répond rien. Quelle est l'origine du bouclier? Ah, le bouclier, c'est une bénédiction de la déesse Timora. C'est la déesse qui protège notre ville. Ça fait très longtemps, la cité a été fondée il y a des centaines d'années, par un seigneur qui était un fervent prêtre de cette grande déesse. Et l'histoire nous a amené à construire des temples pour elle, et lors d'une grande bataille, elle nous a fait don de ce bouclier. Ça nous a sauvés. Vous avez essayé de prier plus fort? Ah, nous avons essayé, mais vous savez, sans notre druide, j'ai l'impression que ça ne fait pas l'affaire. Donc, la mission consisterait à en retrouver ce druide, c'est ce que vous voulez? Je pense. On peut aller voir dans le bureau, et Bella aime les parchemins. Ah oui, si vous voulez voir son bureau, je peux vous y emmener. Oui, j'aurais besoin d'un peu de nécessaire pour écrire. Je pense que vous trouverez tout ce qu'il faut dans son bureau. Il nous faudra également de la bière. Oui. Beaucoup de bière. Ah, alors ça, il y a une auberge juste en face du château. Ça s'appelle les Têtes de Loup. Vous verrez. C'est très simple. Merci. Du coup, si j'arrive à le bouger, oui, il vous emmène. Ça lag de ouf chez moi. Ça lag un peu. Ouais, je le suis un peu, je lui dis. Et belle récompense pour Bella. Vous voulez dire si vous ramenez le druide? Oui. Vous savez, les temps sont durs, mais on trouvera forcément quelque chose si c'est ça. Ne vous inquiétez pas, on trouvera forcément. Ça brille, Bella a juste une pièce d'argent dans sa poche. Bella pas très riche, mais Bella fait avec. Oui, vous inquiétez pas, on trouvera le. Je m'arrangerai avec le comptable. Je suis sûr qu'on pourra trouver quelque chose. Si vous voulez nous venir coup, en aide. En passant, je regarde le comptable et je lui souris avec mes dents qui dépassent. Tu vois qu'il commence à flipper un peu parce que. Du coup, le bureau est on au. On est d'accord que votre druide, la récompense, elle tient toujours, même si on le ramène et qu'il est plus très. Enfin, vous voyez. Vivant. Plus très vivant, quoi. Merci. Vous envisagez de tuer notre druide? Ah ben non, mais si on le retrouve mort, on sait pas ce qui. Oui. Vous voyez, moi, enfin. En fait, si vous faites la lumière sur cette affaire, on s'arrangera. Mais là, il rentre en courant, limite, il pousse le roi, enfin le roi, le duc, quoi, il rentre en courant, il commence à fouiller. Qu'est-ce qu'il nous fait, le macabre? Il a des parchemins, il est en train de les mettre sous son bras, et limite, il se sert, quoi, il prend des trucs pour écrire, et il prend. Voilà, il est en train de se servir, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Faites attention à ne pas prendre des choses de valeur, hein. Si jamais il revient, il en aura besoin. Non, papier, juste papier. Juste du papier. Juste rien écrit dessus. Juste Bella prendre papier. Juste ça. Non. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Pas de soucis. Je peux, oui. Du coup, oui, pas de soucis. Qu'est-ce qui nous a coûté un attardé pareil?
Du coup, vous entrez dans un tout petit bureau qui est très encombré avec des fioles, avec des choses bizarres qui flottent dans du formol, tout un tas de plantes un peu étranges, des livres plus ou moins abîmés, plus ou moins poussiéreux. Que faites-vous ? Ah bah je continue, moi. Je continue, moi je regarde en même temps, je regarde. Oui, on fouille. Pour essayer de trouver des traces qui indiqueraient la direction qu'il a prise dans la forêt. S'il a laissé des notes, quelque chose comme ça. Du genre, il me manque ça, donc. Ok. Du coup, vous trouvez donc parmi tous les livres plus ou moins intéressants dans les étagères. Ça va des propriétés des os de Facochère à des grimoires très anciens écrits en langue inconnue. Vous tombez sur la table sur des parchemins qui parlent de récits et de légendes sur la déesse Timora. Et quand vous les lisez, vous comprenez que Timora, c'est une déesse qui est amicale et bienfaisante. Mais étant la déesse de la chance, elle est aussi un peu capricieuse et changeante. Mais que c'est pas du tout une mauvaise divinité, elle est globalement pas mauvaise. Il y a des passages soulignés sur les parchemins qui mentionnent des bénédictions accordées. Vous avez du mal à déterminer la nature des bénédictions, même quand vous feuilletez tous les autres parchemins. Et vous trouvez des études sur un bâtiment qui s'appelle la Tour du Destin, qui semble être le temple de la déesse de la région. Mais vous n'avez pas beaucoup plus d'informations à ce sujet. Ayant vu ça, je demande au Seigneur, la Tour du Destin, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est le temple de la déesse. Il est un peu plus au nord de la ville. Pourquoi vous en parlez ? Il en fait mention et il a souligné. Peut-être a-t-il commencé par là-bas ? Ah, c'est vrai qu'il faut traverser la forêt pour y aller. Et ben, avoir une place. Y a-t-il un chemin direct ou... Sans risque de se perdre ou il faut suivre un plan. Sans risque de se perdre, un plan. Ah non, il n'y a pas de plan de la forêt. La meilleure solution, je pense que c'est d'aller voir Faras. C'est le chasseur du village. Lui, il relève ses pièges tous les jours. Il connaît la forêt par cœur. Il saura vous expliquer. Et où un peu trouvez-vous ce Faras ? Il doit être à l'auberge où je... Pour le moment. Et là, du coup, je lance un petit regard. Ouais, voilà, j'allais un cul sec et je lui fais un petit clin d'œil. Tu vas être content, on va à l'auberge. Ah oui, tu vois qu'il a un grand sourire. Est-ce que vous faites quelque chose ? Moi, je prends tout ce que je peux prendre pour écrire. Quand j'ai les bras bien chargés, c'est bon. Est-ce que dans tout ce qui traîne, il y a des choses que je pourrais juger utiles. Non, parmi les potions, il y a rien de très intéressant. Bon. Bah, donc moi je ressors. Puis je pense qu'on va aller à l'auberge pour aller voir le. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Faras. De toute façon, nous n'allons pas partir ce soir. Il va bien falloir se sustenter. Moi, je regarde quand même si on voit des affaires manquantes ou quoi. Si on peut voir si le druide avait prévu de partir pour longtemps. Fais-moi un geste de perception vu que tu cherches un peu. Allez. Irel inaugure le premier jet. Alors, du coup, tu vois pas d'indication sur qu'est-ce qu'il allait faire dans la forêt. Il a pas l'air d'avoir pris des affaires manquantes ni rien. Par contre, il y a quelque chose que tu vois quand tu fouilles autour de la pièce, c'est qu'il y a une porte qui est derrière l'étagère. Est-ce que vous voyez ? Ouais. Ouais. Ok. Bon, je farfouine et puis du coup je l'ouvre directement. Et je disparais. Eh bien alors. Oh
Oh, et du coup, je dis juste en passant au seigneur, vous connaissiez l'existence de cette porte? J'ai du mal à le dire. Oh non, ça ne me dit rien. En vrai, je ne viens pas souvent ici, vous savez. Oui, vous n'êtes même pas venu enquêter pour savoir où est parti votre druide. Ah bah, moi j'ai envoyé des gardes fouiller cette pièce. On a envoyé quelques personnes dans la forêt. Vous savez, ils sont revenus bredouilles. On en a croisé de vos gardes. Je passe la tête. Pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ne soyez pas si méchants. Vous savez, nous sommes un peu reclus. Faisons avec ce que nous avons. Ils font du bon travail. J'avance, moi, par contre, Et moi, j'avance ma tête, du coup, je passe ma tête, je fais « Venez voir, j'ai trouvé un truc !» Et alors, du coup, tu trouves effectivement un parchemin de soins. Et au même moment, contre toute attente, il se passe quelque chose d'assez étrange. Il y a une petite plume qui se met à volter. Et sur le ventre de Cusec, vous voyez apparaître un rond. Un quoi? Un rond? Et puis, ouais, deux yeux. Nouveau, ça. Et puis, un sourire. Quelqu'un dans ton bidon. Est-ce que je commence à me taper le bidon? Avec un qu'est-ce que c'est? On a un ventriloque. C'est une belle encre bleue nuit. C'est très joli, c'est très saillant. Les malédictions commencent comme ça. Bella connaît ça, Bella connaît. En voyant ça, vous voyez Lyra, elle presque se tomber par terre de rire et se rouler vraiment dans l'excès, quoi. Ah bah, tu sais que si ta bouche sur le ventre s'ouvre, tu pourras te verser directement la bière dans le bidon. Vous, monsieur gros bidon, vous pourriez pas partir de la porte parce que vous êtes devant. Bella peut pas passer. Vous gênez, Bella. J'ai un bonhomme sur le ventre, je comprends pas. Et ça vous va bien, c'est joli. Ah bah oui, en fait, il gratte, joli. Tu vois, avec son gros doigt long et son ongle, il essaie de gratter le bleu, comme ça, pour voir si ça fait, ça te chatouille, limite. Ouais, mais tu enlèves tes pattes, toi. Et quand il parle, ça fait des taches. Et quand il parle, vu qu'il parle, il a pas mal de coffres, il y a son ventre qui bouge. Et je frotte, du coup, est-ce que ça s'en va ou pas? Ah, ça c'est tellement un test. Du coup, maintenant, t'as le ventre, ça commence à sécher. Du coup, t'as le ventre qui est quand même relativement bleu, hein, et on arrive plus à vraiment voir ce que c'était. Ah, je sors une gourde, je crois que j'ai de l'eau dans mon paquetage. Je commence à me verser de l'eau sur le bide comme ça et à frotter pour essayer que mon ventre soit le plus étincelant possible. C'est dommage, et à la fin, joli. Il brille. Propre comme un soleil. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on m'a fait une farce. Tu vois que je me relève, je me remets de mes émotions et que je fais un high five, dans le vide, en fait. C'est toi, Lirael, tu m'as fait une blague. Bah, ça va que je t'aime. Non, c'est pas moi. Ça va que je t'aime bien et que c'est pas le Maccabé d'à côté. Bella, pas Maccabé. Bella, non, Baba, pas mort, Bella. Non, Bella bien. Bella. Oh, l'équipe. Du coup, est-ce qu'on trouve quelque chose dans la petite le parchemin de soins comment oui, ça il y avait un parchemin de soins. C'est l'équivalent du sort soin, pour une fois. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce qu'on trouve. Et dedans, il y a d'autres fioles, etc. Mais rien qui pourrait nous indiquer plus d'informations sur la destination. On voit des potions quand même. Oui, il y a des potions, vous savez pas trop, c'est pas étiqueté, ça a des couleurs étranges. J'en et vous voyez très bien. Tu les mets dans ton sac. Et il n'y a pas d'indication sur est-ce qu'il semble être parti pour longtemps. D'accord. Ou pas, vous n'arrivez pas à savoir. D'accord. Ok, bon, ben je ressors et en passant à côté de Cusec, je fixe son ventre et je lui dis, je crois qu'il y a encore une tache.
que je m'en vais. Ce n'est pas très drôle. Oh, bon, c'était quand même un petit peu rigolo, non? En tout cas, moi, j'ai bien. Disons qu'on s'est bidonné. Non, non, ça c'est nul. Ça c'est bien. Je suis un expert en blague. Ça c'est nul. mais j'avance, moi, c'est bon. J'essaie de garder mon traîneur. Voilà, mais j'avoue que j'ai du mal. Voilà, bon, voilà, on a bien rigolé. Maintenant, on va à l'auberge. Hein. Arrête de rire, tu fais du bruit avec ton armure. Bien. Allons voir ce Pharas. Je vais voir le duc là. Concernant nos frais, pour cette mission, il est bien entendu que les frais d'auberge sont compris dans le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Vous pourrez parler à la tenancière, c'est tout prévu. Vous êtes sûr d'avoir tout prévu? J'ai une sacrée descente. Là, tu vois qu'il commence à douter. S'il te regarde, il constate que quand même, potentiellement, t'as une sacrée descente, en effet. Oui. Enfin, essayer de rester raisonnable. Bien entendu, raisonnable, c'est mon deuxième surnom. Ah, et bah, du coup, parfait. C'est quoi le surtout une c'est alcoolique. C'est inquiétant un peu. Il ne semblait pas connaître le niveau de raisonnabilité d'un nain. C'est un alcoolique le raisonnable. Pour lui, raisonnable, c'est pas s'il tombe raide de mort, quoi. Ivre. Bon, sur ce, moi j'avance. Au revoir, comptable. Au revoir. Oui, à tout de suite. Hein. Oui, à tout de suite. Je leur lance juste un regard au passage. Mais je ne leur dis rien. Ah, lumière. Ça brûle. Ah merde, attends, actualisé. J'ai eu un problème aussi. Ouais, pareil, j'ai été éjecté. Ouais, pareil, ça bug, je sais pas. Là, ça arrive, il y a des soucis. Ok, bon. Ça marche nickel. Hein. Je suis de retour. Pareil. Pour vous, je suis un mauvais tour. Ah. Par contre, du coup. Alors, il me requête. Oh du coup, l'auberge, il faut prendre cette rue-là. Si vous voulez aller à l'auberge. Rue-là là. Je zoome parce que je vois pas de quelle rue tu parles. Là. Ah, je suis ah peut-être oui, okay, c'est bon. Un peu... Non, c'est parce que j'avais pas dézoomé. C'est le bâtiment en face et il faut du coup le contourner. Allez, vite, faut aller se reposer. Les sons cul secs passés devant, on trouvera l'auberge, je m'inquiète pas pour ça. À l'odorat. Oui. Ah, où est-ce qu'ils ont mis cette auberge? C'est ce que c'est ici? C'est fermé, c'est pas ici. Il essaie d'ouvrir toutes les portes. Ah, heureusement que j'ai tout verrouillé, putain. Ici, peut-être. Ah, ça ne s'ouvre toujours pas. Il vous est perdu. Ah non, moi aussi. Je suis perdu. Voilà. Je suis tout seul là, à la lumière, ça brûle. J'attrape ce mec par l'épaule. C'est la porte que t'as à droite, tu sais. Et toi, dis-moi où est l'auberge. C'est juste en face là. Franchement, vous êtes aveugle ou quoi? Regardez. C'est cette porte-là, tu veux dire? Merde. Je l'ouvre à distance, je la regarde, elle s'ouvre. C'est génial. Non, c'est l'autre en bas. Ah, c'est en bas, ça marche, ok. Oui, ça, c'est la boutique. Celle-là, c'est ça. On repasse dans la lumière. Je rentre, du coup. Celle en celle-là, bas. Celle-là, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, voilà, celle que Cusek a ouvert. Que Cusek est entré direct, donc je me doute que c'est là. Ah oh bah oui, c'est où il va, lui. Bah, au début, il était un petit peu hésitant quand même. J'ai vu qu'il a ouvert plusieurs portes, essayé d'ouvrir plusieurs portes. Je me dis bon. J'attends que les autres arrivent avant de rentrer pour pas qu'on les attende. Je suis perdu. On est là. Ah, c'est bon, oui, je vous ai retrouvé. C'est ça, c'est là, voilà. Et, ouais. J'avais le regard un peu en l'air. Harry, c'est où? J'ai toujours pas vu où vous êtes passé. Ah, d'accord, c'est... Pour prendre l'entrée des artistes.
Oui, la porte n'est pas en face. Ouais. Oui, il y a du monde là-dedans. Du coup, vous entrez dans l'auberge des Têtes de Loup. Et c'est une auberge tout ce qu'il y a de plus commune, mais confortable. Il y a pas mal de personnes assises un peu partout. Il y a un nain un peu véhément au bar, une blonde derrière le comptoir. Il n'y a pas de ménestrel ou de danseur, de chanteur, de choses comme ça. Voilà. Je me dirige vers l'aubergiste et directement je lui demande de nous servir sa meilleure bière et je lui dis que c'est sur le compte du duc. Enchanté. Enchanté. Votre meilleure bière, s'il vous plaît. Très bien. Il en faudra combien ? Alors pour moi, il en faudra 5. Et pour les autres, je ne sais pas. Mais là, tu vois qu'elle est un peu surprise. Mais là, pas soif. Très bien. Pour vous, monsieur au milieu. Je prendrai une bière, oui. Je suivrai. Aussi. Et du coup, vous voyez qu'elle disparaît. Elle rentre dans les cuisines et elle part chercher ça. Vous ne buvez pas, Lyraël ? Si, je regardais un petit peu les lieux. Parce que je pense que je vais me produire ce soir. J'aime beaucoup l'ambiance de cette petite auberge et c'est vrai que j'étais en train un petit peu voyez de scénariser enfin je réfléchissais à ce que j'allais faire. Il est quelle heure là? Ce que j'allais vous proposer. Il doit être 21h quelque chose comme ça. D'accord. Du coup la tenancière revient avec toutes les bières et elle vous les pose sur le comptoir et elle vous les tend. Et au moins elle passe, je lui dis, nous sommes à la recherche d'un dénommé Pharas. RRP. Pharas. Oui, c'est l'homme qui est assis à la table avec votre ami, justement. Touche pas à mes parchemins, toi. C'est les miens. Et vous voyez effectivement qu'il y a bien un homme assis à la table avec Bella. Je m'approche de lui, je lui demande. Puis-je vous offrir un verre ? Alors, bonjour aventurier, oui avec plaisir, je vois que vous buvez de la bière, ce sera pareil pour moi. Je regarde la tenancière en lui faisant un signe d'une deuxième chope, et je m'assois. Elle a compris, elle en amène une, de parfum chercher une. Du coup Bella il te regarde à toi qu'elle a... Et il pourrait avoir de la viande crue bien saignante, sanguinolente, c'est possible, Kélène. Pour l'instant nous buvons, mais... Si nous devons manger, oui. Je ne bois pas, moi. Jamais. Et du coup, la tenancière vous amène la bière pour Pharas. Du coup, quand Bella dit qu'il ne boit pas, je prends sa bière. Moi, je regarde... Très bien. Je regarde Cusset qui s'enfile bière sur bière. J'ai un portrait qui a changé d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Ah oui, mais pardon, excusez-moi. je goûte la mienne et puis je fais un petit peu... C'est un peu clairé comme bière, ça. Moi, dans mon coin, on fait de la bière de tourbe, ça tient quand même plus au corps. De la bière de tourbe. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Ah, ça... Ah, c'est bien, avec l'eau du marais, là, c'est déjà fermenté d'avance. Eh bien, il ne faut pas mourir bête. J'espère que nous en boirons une un jour. C'est lui le chasseur, alors. C'est Pharas, c'est ça? Oui, enchanté. Vous êtes. Et tu vois qu'il est... Il est un peu moins impressionné que les autres, comme s'il avait vu plus de trucs. Hein. Mais il est quand même pas très à l'aise. Quand j'entends vous êtes, je viens m'asseoir et je fais bonjour, je suis Lyraël, enchantée. Du coup, il... chemin. Il te regarde. Et il te tend la main en te disant enchanté, Pharas. Et qu'est-ce que vous faites dans la région? On est missionné par le duc. Très bien. Ah. Et on aurait peut-être besoin de vous, oui. Je pense que je sais pourquoi vous êtes là.
Il vous a parlé de la disparition du druide, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Comment il s'appelle, le druide? Et tout pourrait laisser croire qu'il se serait dirigé vers le temple qui est de l'autre côté de la forêt. Au nord. Oui, oui, en effet. Ah, il se trouve que le jour où il a disparu, je l'ai croisé dans la forêt. J'étais parti relever mes pièges, chasser un petit peu et je l'ai croisé. Et vous l'avez croisé dans quel coin et dans quelle direction allait-il? Ce qui est étrange, c'est qu'il suivait la jeune Elia. C'est une paysanne du village. Oh, le coquin. Ça m'a paru très étrange. Bon, c'est pas si étrange que ça. Hein. C'est comme ça qu'on fait pour. Bref. C'est dur d'être sérieux. Attends, du coup j'ai perdu le fil. Vous traversez la forêt avec ce chasseur. Faut qu'il nous amène. C'est ça, non? Vous pourriez nous accompagner ou nous indiquer le chemin, au pire? Moi je ne sais pas où il est, ce temple. Si c'est ça que vous cherchez, je peux juste vous dire qu'il est au nord. Par contre, je sais qu'il suivait Elia. Je ne sais pas où elle est allée, elle. Et Elia, on peut la trouver où maintenant? Elle habite dans la maison juste à gauche, à la sortie de l'auberge. On ne va pas partir tout de suite quand même. Ah. Prends un sac. Ça t'en fera deux. Voyez. Si vous la cherchez, vous pourrez toujours y aller demain, si vraiment. Mais et cette jeune fille est rentrée, par contre, elle n'est pas manquante, elle n'est pas disparue. Ah oui, non, elle est revenue. Et d'ailleurs, c'est étrange, depuis que cette malédiction frappe le village, on a dû vous en parler de la malédiction, vous êtes au courant du coup. Ah oui, oui. Ah, malédiction. Oui, voilà. Les attaques. Ça y est, elle commence, je te vois. Hein, Non, j'ai rien dit, c'est le parchemin. Si. Non, c'est pas moi, c'est pas Bella. Il a pas de bouche, le parchemin, et je lui Bella montre. Bella, pas parler, Bella, rien dire. Et puis, il se met à écrire frénétiquement. Voilà. Je regarde Aris et je fais la tête et je mouvement de gauche à droite pour dire poule là 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 là. Ça va être marrant avec eux deux. Les deux? Ouais, du coup. Je suis tout seul, je suis pas deux. Bah non, toi et le parchemin. Ah, d'accord. Oui, j'ai eu peur. Ok, mais là, d'accord. Ou toi et ton nez. Quoi? Nez Bella, il est beau, il est Bella, mon nez quoi. Je vous avais dit qu'il savait pas trop parler. Mon dieu. J'ai passé 60 ans dans. Oh, oui, non. Ça fait des dégâts. Oui. Non, pas dégâts. Bella. Oh là là. Bon. Je sais pas. Ouais, bon, et si on devait... Je disais, avant que vous me coupiez... Oui, Elia, cette jeune femme, c'est étrange. C'est la seule qui semble être, on va dire, épargnée par la malédiction. Là où tout le monde perd son bétail et ses récoltes, elle... Tout semble aller. C'est étrange. Depuis qu'elle s'est mariée, elle respire le bonheur et... Elle semble être née sous une bonne étoile. Mais elle s'est mariée avec qui? Avec Bram. C'est un paysan. Oh, mal dégrossi. Vous savez, moi, les paysans. Ah, mal dégrossi. Lui, regarde le cul sec. Arrête, je vous ai dit, je peux pas RP un instant. Je peux pas RP. Ah, j'en profite. Et si on devait, parce que bon, le but quand même c'est de retrouver ce druide, donc je suppose qu'on va devoir se rendre dans cette forêt. Déjà, est-ce que vous seriez prêt à nous accompagner? Et sinon, avez-vous des conseils à nous donner pour pouvoir survivre, on va dire, à cette aventure dans la forêt? Parce que vous m'avez l'air quand même d'un sacré pro, quoi. Ah oui, effectivement, je suis le chasseur du village, vous savez, la forêt, c'est mon domaine.
Bah, vous avez l'air d'aventurier. Je veux dire, et là il se tourne vers Kellen et il dit vous avez quand même pas peur de vous faire attaquer par quelque chose avec ce. Avec cet homme. Peur non, mais j'aimerais savoir où je vais en fait, surtout. Je voudrais éviter de me perdre, c'est surtout ça. Oh, c'est beau ce que vous dites. Je voudrais savoir où je vais. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu vois qu'elle prend un des parchemins de Bella et qu'elle commence à noter. Non, 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 c'est le mien, non. T'as pas le droit de le prendre. C'est le mien, je l'ai gagné. Donne-moi-le. Donne un petit bout si tu veux. Pas en entier. Et là, il découpe un petit bout du parchemin et te donne. Tiens, prends ça. Un petit bout comment? Là, comme celui-là que je te donne. C'est tout. C'est le mien, c'est moi qui l'ai pris. Et là, il commence à tout ranger en vous regardant, en fronçant ses grands sourcils là. Et... Bon, il est pas si tard là. On peut peut-être aller voir Elial. On met ça, oui. Gisèle, est-ce qu'elle est tout près? Comme ça. Ah oui, oui, elle habite de l'autre côté de la on rue. On peut aller voir et puis en fonction de ce qu'on a pris. Allez, on y va. Bella dort pas la nuit, Bella peut venir. Attendez, attendez, moi j'aimerais bien profiter de cette affluence quand même, parce que j'ai un petit peu besoin de sous pour, vous voyez, bon, acheter 2-3 nécessités. Elle n'a pas tort. Et je vis au jour le jour. Oui, mais c'est la chanter. Oui, mais là c'est la nuit, donc tu peux. Et moi je commence à taper des mains sur la table. Au jour le jour. Ouais, quoi, taper en rythme. Moi j'y vais, je m'occupe pas parce que j'ai l'air d'être dissipé. On n'est pas venu pour ça, je vous rappelle. On aura le temps de s'amuser bon. Après. Ah non, 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 mais moi, c'est pas un amusement, c'est mon métier, quand même. Hein. On respecte elle est où, elle est, complet. C'est son métier. Elle est le gars qui est là. Est-ce que vous savez où est la maison d'Elial? Oui, et là, il t'indique une maison qui est sur la gauche, en sortant de l'auberge. Et si j'arrive à te pinguer, tu verras où ça c'est. Là. Ok. Alors, j'ai pas vu le ping. En sortant, juste avant de sortir, je me retourne vers tout le monde, je fais « Vous inquiétez pas, je reviendrai, promis !» Tu peux bien faire le ping, s'il te plaît, parce que je l'ai pas vu. Là, vous y allez tous, voilà. Ou est-ce qu'il y en a qui restent dans Moi, j'y vais, hein, parce que je aussi. Ils ont l'air de comme des chiffonniers ou des bouts de parchemin, donc... J'ai peur qu'on me vole des parchemins. Très bien. Elle a voulu me voler, vous avez vu? Elle a voulu me voler. Et vous avez tort de marcher derrière moi. Ah, t'es derrière, je l'ai pas vu. Ah, mais t'es là, toi, encore. Vous avez tort de marcher derrière moi parce que c'est là que ça sent le plus mauvais. Quand là, il non. dit. Ah, mais t'es là, toi, aussi. Encore. Mais l'a pas dérangé. Bon, je frappe à la porte. Quand il dit. oui, et il y a une jeune femme qui vient vous ouvrir, si j'y arrive. Hop. Bon. Puis-je entrer? Non, il sent bon. Il sent bon, Harry. Comme le bon pain. Oui. Le bon Est-ce pain, que vous... merde. Je m'appelle Harry Dormante et je voudrais nous et les camarades qui sont avec moi, nous cherchons à retrouver le druide et... Je me suis laissé dire qu'effectivement, avant sa disparition, vous l'aviez croisé vous étiez avec lui dans la forêt à un moment donné. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet épisode? Oui, et là tu vois qu'en fait elle regarde un peu le groupe et elle a l'air très méfiante quand même. Parce que bien devant la porte, elle a quand même des énergumènes. Elle hésite et... Mais pourquoi vous le cherchez, ce druide? Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, nous, on est en mission pour le... On est mandaté par le duc. Par le duc? Pour le retrouver. Oui, j'étais dans la forêt, effectivement, je l'ai aperçu, mais... Mais qui vous a donné mon nom? Pendant cette discussion, je viens derrière... Mais vous l'avez bien croisé dans la forêt? Oui, effectivement, je l'ai croisé. Il m'a dit qu'il allait chercher des ingrédients. Et tout, vous l'avez juste croisé et puis il a passé son chemin ou est-ce que vous avez... Ça nous tient. Non, oui, il a passé son chemin. Il avait affaire plus loin dans une clairière. Et moi, bon,
Bref, j'avais des choses à faire. Du coup, nous nous sommes salués, mais sans plus. Je tape un peu l'épaule de Bella pour qu'il se pousse et que... Et je, en fait, presque, je le pousse sur le côté pour passer devant. Oh bah, il est tout frêle, donc il limite, il tombe par terre, quoi. Mais doucement, ah. Je prends un peu toute la place devant la porte, presque en mettant l'avant de mon corps déjà directement chez Elia. Je lui prends la main et en fait, j'utilise Charm Person. Hein. Ok. Et je fais... Oh là là, vraiment, excusez-moi, mais je voulais vous dire que vos cheveux sont ravissants. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler de l'entretien que vous y faites. Et je rentre dedans, carrément. Charm Person, il n'y a pas de jet à il faire. Il faut que... Rien, hein. Je pense qu'il faut que je fasse un jet, yeah. Ouais. Mais je suis quand même rentrée. Je te lance assistance okay. Au moment où tu rentres. Tu peux ajouter un D4 à n'importe quel jet. Génial. Je le link quand même. Vous pouvez tenter de charmer un dernier jet de sagesse de la victime, en fait. D'accord. Ah, c'est pas un... D'accord, il n'y a pas un jet à faire, ok. Oui, c'est en cas d'échec, en fait. Et c'est des dés... 13. Bah, c'est ton... C'est la caractéristique, normalement. C'est écrit en bas, regarde. Sauvegarde de sauvegarde du sort, des dés 13. Vous avez fait... Ah bah, non, c'est elle qui doit le faire, du coup. Oui, c'est ton personnage qui doit faire un jet de sauvegarde... 13. Quand t'es en combat, juste pour l'information, quand c'est en combat, c'est avec un désavantage. Avec un avantage. Quand le combat est engagé. Ok. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, on voit. Oui. Non, non. On fait chier chez elle. En plus, elle sait ouais, que tu l'as charmé. T'as essayé de la charmer. Mais que faites-vous ici? Mais vous êtes rentré chez moi? Bon, écoutez, sortez d'ici. En voyant qu'elle s'énerve un petit peu, je m'installe à table. Et je, écoutez, on va discuter sérieusement parce que cette affaire de druide, elle est vraiment très importante pour la ville et on m'a quand même dit qu'il vous suivait. Et puis vous aviez l'air un peu hésitante quand vous parliez de « oui, j'avais des choses à faire dans la forêt » alors que la forêt est dangereuse, c'est vraiment très louche. Elle parle trop, elle me fatigue. Fais-moi un jet de charisme. Okay. Alors, je t'ai lancé assistance. Ah oui, du coup, ouais. Carrément. Hop. Du coup, c'est un dé combien que je dois lancer ? Je suis pas sûre que ça suffise. Ah bah. Oh là là, mais. Bon. Je vais me faire rire. C'est juste. Ouais. Ah ouais, putain. Si ça passe. Yeah, c'était très bas. Du coup, elle te regarde et tu vois qu'elle baisse les yeux et elle est un peu penaude. Elle se pousse de la porte et elle vous laisse rentrer et elle vous dit oui. Je sais que j'aurais pas dû aller dans la forêt, mais. Vous voyez. J'ai été dans le temple. Ça parle d'une bénédiction là-bas. Si on arrive à prendre une rose du temple, il me paraît que ça apporte la bonne fortune. J'ai souhaité essayer et j'ai trouvé le temple. J'ai ramené une rose et depuis, tout me sourit. Mais c'est étrange, depuis que Pramian a disparu, la ville semble, elle, par contre, maudite. Peut-être que vous l'avez contrarié, parce que c'était le temple au nord dont on parle, là, de la... Oui, tout à fait. Oui, ok. Vous l'avez peut-être contrarié, je sais pas, peut-être que les roses de son temple... vous avez profané un petit peu le temple, quoi, non? Je sais pas, peut-être que c'est pas la disparition du druide qui poserait tous ces problèmes, mais plus la fleur. Et là, tu vois qu'elle commence à se prendre les mains, elle te regarde avec... genre tristesse, elle se dit « Vous ne pensez pas que si c'était une malédiction et si j'avais profané, ce serait sur moi que ça battrait les foudres de la déesse ?» C'est pas faux, faudrait déjà savoir, vous pourriez nous indiquer le chemin jusqu'où vous y étiez allé, jusqu'à cette tour. Oui, c'est au nord dans la forêt, si vous voulez, vous comptez essayer de frapper. C'est ça. A priori, le druide est peut-être allé aussi là-bas. Et où est cette fleur? Ah non,
Je ne peux pas vous la montrer. C'est une bénédiction de la déesse. Je demande à mon serviteur de fouiner un peu pour la trouver. Ok, dans la pièce où t'es ? Ouais. Ok. Il fouille et malheureusement, il ne trouve rien. Il y a des tiroirs qui bougent derrière. Ça fait un peu de bruit, c'est étrange, mais... C'est ça qui m'a dessiné sur le ventre. Tiroirs ? Pourquoi ils bougent les tiroirs ? Je donne un petit coup de coude à Bella, je lui dis... Si vous souhaitez essayer de sauver la ville, je pourrais peut-être vous emmener au labyrinthe. Je me souviens du chemin. Nous pourrions partir demain. Et on peut voir. Nous pourrions peut-être partir demain, à la première heure. Ah oui, c'est plus sage. Oui, de nuit avec les créatures qu'il y a dans la forêt récemment, c'est. Oui, Eliraël, elle doit faire son spectacle. Oui. C'est vital. Est-ce qu'on peut voir les écrits qui vous ont indiqué cette bénédiction ? Ils sont dans la bibliothèque du château. Ce sont des contes et des légendes assez connues dans la région, vous savez. Bien. Nous partirons demain matin à l'aube, alors ? Bien partir maintenant, ça ne dérange pas Bella. Je sais, Bella n'aime pas la lumière, Bella ne dort pas. Bella me fait penser à des créatures étranges que je n'aime pas trop. Qui n'aime pas la lumière, qui ne dort pas la nuit. Non, mais Bella pas étrange. Bella normale. Un petit peu quand même. Non, Bella normale. Oh, tenez, demandons à Elia, est-ce que vous le trouvez étrange ? Mais du coup, il sourit comme ça et pareil avec ses dents. Avec ses gros yeux qui limite sont jaunes. Et tu vois, du coup, quand tu souris, elle a un mouvement de recul, elle se prend le meuble derrière elle et... Oh, meuf, attention, meuf. Vous allez faire mal. Oui. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Bien. Nous pourrons venir vous chercher demain matin ? Ou vous venez à l'auberge ? Parfait, on peut se retrouver devant l'auberge demain matin. À 7h, ça vous va ? Parfait. C'est bien. Retournons vite à l'auberge. Je me doutais que Cusek était intéressé. Oh là, ça va durer toute la nuit. Il a bu que 3 de ses 6 pintes. C'est normal. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a rien bu. Il a déjà disparu, gros bidon. Oh, mais on n'a pas d'autre chose à faire que d'aller dans cette auberge tout le temps. Quand vous arrivez, je suis en train de trinquer avec Faras. Qui a le sourire aux lèvres et qui est très content de trouver de la poupée. Je suis là d'ailleurs. Aubergiste, je pourrais avoir de la viande saignante et crue, s'il vous plaît. Crue, vous êtes sûr ? Mais on fait un excellent gigot rôti, je suis sûr que ça vous plaît. Non, pas cuit, crue. Crue, viande crue. Bon, bah écoutez, si vous insistez... Merci. Très bien. Et elle part te chercher. Ah, Bella à manger. De toute façon, on peut commander à manger pour tout le monde, à Yetra. Moi, je m'avance vers le tavernier et je lui demande si je peux me produire. Et si mon repas sera mon repas et mon gîte sera offert si je me produis. Du coup, elle revient avec la viande crue pour Bella et quand tu lui demandes ça, elle te dit moi j'avais compris que vos consommations étaient sur la note du duc. Oui, mais ça permet d'éviter trop de charges pour le duc. Vous voyez, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué pour lui en ce moment. Et bon, voilà, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Tu veux pas plutôt des pièces d'or pour nous ? Écoutez, je vous laisse vous produire, mais disons la moitié. Et si la performance me plaît, peut-être la totalité. Parfait alors, très bien. Et tu vois qu'en fait elle monte sur la table qui,
qui est là. Elle monte d'abord sur la chaise, puis sur la table. Elle se penche un petit peu sur tout le monde. Bonsoir, excusez-moi. Elle pousse un peu les bières des gens. Que fait les Raël là-bas ? Je commence à taper avec mes deux pintes. J'ai une pinte dans chaque main et je commence à taper sur la table. Et vous vous attendiez à ce qu'elle chante en fait, mais elle range sa flûte et elle commence à faire des grands gestes de bras et être ou ne pas être, telle est la question. Est-ce que c'est à l'âme plus de la noblesse que de la fortune, les outrages endurés plutôt que de prendre les armes contre une. Et là, elle s'étale carrément. D'une façon très dramatique sur la table, comme au sommeil, on nous achève les tourments, les mille atteintes par la nature à la chair portée. Et je regarde qui c'est que je lui dis, tu peux arrêter de taper tes bières. Enfin, ça sert à rien. Je m'attendais pas à ça. mais c'est beau ce qu'elle dit, c'est beau ce qu'elle raconte. Taisez-vous, écoutez-la. Fais-moi un jet de représentation, juste pour savoir si c'est bien. Je foire tous mes jets depuis tout à l'heure. J'espère que celui-là, au moins, pour ma réputation. Pour ton orgueil. Hop. Oh, oui. Bien ce que j'ai dit, c'est beau. Vous trouvez qu'elle a une diction absolument parfaite et vous êtes transporté par les mots de l'Irel. Ça me fait comme des chatouilles dans le foie. Non, c'est moi qui te gratte avec mon ongle depuis tout à l'heure. Oh, lève ta main. On peut rigoler. Une fois ma prestation finie, je roule carrément pour tomber de la table de manière assez quand même agile et gracieuse. Hein. vous voyez une sorte de petite poche en cuir qui vole, enfin c'est pas moi qui la tiens, c'est mon serviteur, et qui vole et qui fait un petit peu le tour de toutes les tables. Les occupants de la taverne mettent quelques pièces dedans vu qu'ils ont été séduits aussi par la prestation. Je mets une pièce d'or. merci. Et vous voyez qu'elle elle s'incline et elle revient à la table. Et tu peux te rajouter 5 pièces d'or du coup. Let's go. Oh, la fortune, tu es riche. Là, une pièce d'argent. Tu m'en donnes une? Je lui entends une. Oh, j'en ai jamais eu. C'est beau. Ça brille. J'aime. Je vais m'acheter du papier. Tout ce qu'il a piqué, il a de quoi voir venir. Dites-moi, mon cher Maccabé, monsieur. Pourquoi cet amour pour le papier? Bella, pas Maccabé. Maccabella. Et Bella, pourquoi tu aimes tant le papier? Écrire, Bella, beaucoup, et papier, il n'y en a plus dans la grotte, donc besoin de beaucoup de parchemin pour retourner dans la grotte. Et écrire quoi, Bella? Des choses, poème. Ouais. Tu vois qu'elle te regarde avec un intérêt grandissant. Non, mais vous bien parlez, bien, c'est beau. C'est beau ce que, tu as fait. Oui, Bella aime bien, elle n'est pas très habituée. Oui, c'est une œuvre originale. Ah, d'accord. C'est bien. Absolument pas inspiré d'un poète anglais. C'était beau. Non, Bella écrire ce qu'il a dans la tête, des choses qui passent par-ci par-là. Oui, je ne répondrai pas. Je vois ce que veut dire gros bidon, mais... Bella pas habituée à voir des gens. Bella restée 60 ans sans voir personne. Donc Bella a quelques difficultés. Ça se voit. Quel âge avez-vous, monsieur Bella? Ah oui, Bella. Ça se voit, oui. Oh, Bella a 64 ans. Hein. Et t'es resté 60 ans enfermé. Oui, pas loin. Je suis resté une soixantaine d'années tout seul, oui. Donc depuis vos 4 ans, vous êtes seul? C'est ma vie, c'est la vie à Bella. Elle est pas belle. Non, mais j'ai 69 ans, j'ai pas 64 ans. Oh, Bella s'y perd. Si Bella écrit pas, Bella se mélange les pinceaux. Bella des fois perdue. Mais Bella avec vous est content, même si Bella grimace. On est content aussi. Du coup, et on boit de la bière. Pourquoi Bella grimace? Du coup, la bière est bonne.
Tout se passe bien, la prestation de l'Irael était vraiment très impressionnante. Et maintenant, il est à peu près 23h. Bon, moi, je me lève, bien que nous devons nous lever tôt, je vais me coucher. Et je vais, je sais pas si y a une chambre qui a été affectée. Je demande à l'aubergiste en passant si une chambre nous a été affectée. Est-ce que c'est une chambre commune, une chambre particulière? Quel endroit non, nous avons 5 chambres. Normalement, vous les voyez, non, les chambres? Ouais, sur le côté, là, ouais. Ouais, ok, voilà. Non, nous avons 5 chambres, vous pouvez vous répartir comme vous le souhaitez. Je prends celle-là. Je rassemble 2 lits côte à côte, là, ces deux-là. Et je fais un grand lit. Ok, moi, je mets... parfait, pour un petit nain. Moi, je me mets là, hop, voilà. Je souhaite bonne nuit à tout le monde et à demain matin. Bon, moi je prends la suivante. Je suis un petit peu étonné. J'ai moyennement l'habitude de dormir dans un lit. Mais il n'y a pas de salle de bain, du coup, t'es pas complètement dépaysé non plus. L'Irael t'entend dans ta tête. Ah, mais c'était vraiment bien ce que tu as joué. Moi j'ai bien aimé. Tu as un grand talent. C'est dommage que les autres ne t'aient pas félicité. Tu mérites plein de félicitations. Et tu vois Bella toujours en train d'écrire, mais tu as bien reconnu sa voix. Je regarde à gauche, à droite, je le regarde, je vois pas ses lèvres bouger pour une fois. Merci. Hein? Et je me lève. Et je m'en vais. Non, d'abord, je reviens sur mes pas parce que je suis un petit peu gourde et je vais voir le tavernier du coup et lui demander ce qu'il en est par rapport à ma prestation. Déjà, est-ce que vous avez aimé ma prestation? Non, mais oui, nous avons très peu de poètes dans la région. Nous avons toujours des troubadours, des danseurs, mais des poètes, oh là là, c'était magnifique ce que vous avez récité. Merci. Puis j'essaye un nouveau truc, c'est que j'essaye d'impliquer un petit peu plus mon corps dans ma poésie, vous voyez, d'occuper l'espace. Ah oui, on a bien constaté, oui, effectivement. Il y avait une grâce qui se dégageait de ce que vous faisiez, c'était très impressionnant. Oh, merci. Mon nom est l'Irael, hein, n'hésitez pas à faire appel à mes services quand vous voulez, quand je serai de passage, hein, bien entendu. Et puis, surtout, à parler de moi. Hein. Ah, bien sûr, et si vous repassez, vous pourrez vous reproduire dans mon auberge avec plaisir. Oh, parfait. Se reproduire dans son auberge. Voilà qui est étrange. C'était pas exactement ça que je voulais dire, non, voilà. Vous pesez chaque mot qu'on dit. Je crains. Effectivement. Et comment il arrive à entendre dans sa chambre, hein, monsieur? Et là, je ferme la porte. Bon, j'imagine que je prends la chambre la plus pourrie. C'est pour Bella. Ok. Très bien. À côté des toilettes. Bonne nuit. Bonne nuit, Bella. Bonne nuit. Tout le monde est là? Yes. Ouais. Oui. Ah oui. Du coup, vous passez la nuit à l'auberge. Les lits confortables, exactement. Vous rentrez de votre school. Vous cuvez toutes les bières que vous avez bues. Qui c'est ou qui pas. À côté dans cette chambre là? C'est moi. Quelle est tu m'entends en fait, hein. Toute la nuit. tu dors pas de la nuit. Il y en a qui dorment mieux que d'autres. Ouais. Bon. Bon, moi, pour bien dormir, j'ai pris ma couverture, je l'ai mise sur le lit et je me suis mis sur la couverture. Donc vous passez une excellente nuit. Plus ou moins. Et plus ou moins, ça dépend des personnes, effectivement. Oh, Cusek dort comme une barrique. Ah oui, on dort bien ici. Et c'est le matin, le jour se lève. Oh, j'ai soif. Tu ronfles, tu sais, et quand je passe à côté de lui. Fort. Non. Ah, je n'ai pas entendu. Non, ça c'est clair. Je crois que l'auberge a entendu.
Il y a la tenancière. La tenancière qui dormait au-dessus, qui arrive et qui dit « Ah oui, oui, je confirme, votre ami, qu'est-ce qui ronfle ?» C'est parce que je suis bien heureux et que j'ai bien bu et bien mangé. Ah, vous reconnaissez que la bière locale est délicieuse. Ah, je le reconnais volontiers. Toute bière est délicieuse avec lui. Non, ce n'est pas une raison. Ah, j'aime les amateurs. Je ne suis pas un amateur, je suis un professionnel. Excusez-moi, je ne voulais pas être désagréable. Ah bah, il va être très bien. Oh la vache. Bon alors, Pharas, vous êtes prêt? On peut y aller? Mais nous, Pharas ne nous emmène pas. Mais c'est pas lui qui doit être prêt. C'est pas Pharas. D'ailleurs, il devait plus être là, j'ai oublié de le virer, mais bon, peu importe. Du coup, il est là, il vous salue le matin. Vous avez bien dormi toute la nuit? Non, j'ai dormi en face, je suis arrivé à la première heure ce matin. Bon, ah, moi, un homme selon mon cœur. Encore un alcoolique. Je sors de l'auberge, comme diraient certains. On va mais pas non, alcoolique, sans... c'est cul sec. Oui, pas alcoolique, lui. Il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Oh, on n'a pas pris le mais petit. Mais c'est son premier nom. Son premier surnom. En tout cas, les gens le m'appellent comme c'est ça. C'est raisonnable. Il faut se dépêcher, nous avons quand même une mission, je vous le rappelle. On va pas passer notre journée à boire des bières. Ah, oh, très bien. Bon. Surtout que je n'en bois pas. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Bon, moi je prends pas de bière au petit déjeuner quand même. Courset qui arrive sur la place, vous voyez Elia sortir de chez elle et se diriger vers vous. Ah, Elia. Elle est jolie. Vous avez bien dormi, aventurier? Oui. Oui, aventurier, moi. J'ai parfaitement bien dormi, et vous? Et je confirme. Ah oui, oui, très bien, très bien. Tu sais qu'il avait pris un bon somnifère. Et donc, vous vous mettez en route. Alors, bougez pas. L'Iraël, t'es là aussi ou... Ouais, ouais, je suis là, je suis juste à côté d'Elia. Ok. Alors, non, je la vois pas, moi, à côté d'Elia. Je la vois pas. Non, te vois pas. Non, te vois pas. Ah, ben c'est parce qu'elle était sur le... J'étais à côté, mais en diagonale. Non, mais t'étais sous mon canapé. Ok. T'es planqué en dessous de... Kellen. Alors, attendez, je vais essayer de tous vous enlever en même temps. Bougez plus. Ouais, c'est bon. Ne bougez plus, ne respirez plus. On y va. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est toujours... Faut que tu nous changes de, tu changes les joueurs de. Ah ah ça. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Parfait. Parfait. Du coup, vous partez en compagnie d'Elia sur la route et il fait pas très beau. Il fait gris, il bruine un peu et le chemin est tout boueux. Ça vous salit, les bottes, elles collent, etc. Et vraiment, c'est. C'est pas la meilleure marche que vous avez fait. Il fait même un peu frais pour un jour de printemps. Pour c'est être... sympa comme coin. Moi, j'aime bien, Bella, moi, Bella. Ici. Moi aussi. Bella, déjà sale. C'est pas problème de salir les bottes. Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas passé avant la malédiction. Ici, c'était vraiment magnifique. Il y avait malédiction. Des fleurs à perte de vue. Il recommence, il a bugué, je lui tape un peu l'épaule comme si je secouais un objet cassé. Non, l'Iraël gentil avec Bella. Pas taper Bella. Mais non, je t'ai pas tapé, j'essayais de te remettre à l'heure. Tapé Bella devant la porte la dernière fois, Bella fragile. J'aime bien ici, ça me rappelle. Ça me rappelle ton histoire avec les malédictions. Ça me rappelle un peu chez moi. les pieds dans les deux pieds dans le plat. Direct. Non, il faut continuer. Il faut continuer la marche. Bah, tu aimes bien ça, les malédictions? Ah non, malédiction. Regardez, il suffit de dire malédiction et ça le met dans tous ses états. Non, c'est marrant. Ne joue pas avec Bella. Malédiction. Elle continue d'avancer en faisant des pas chassés, en dansant un peu. Malédiction. Moi, je t'aime malédiction. Dans mes mains. Malédiction. Bella, gentil, vous, pas. Je secoue la tête et je dis à Harris, pour la discrétion, on repassera. Oui. Oui, c'est vrai. Ils sont pas discrets. Vous marchez, du coup, plusieurs heures. Le trajet, il prend autour de 2 heures, presque 3 d'ailleurs.
Et tout le long, c'est vraiment ce chemin un peu marécageux hein, que vous arpentez. Et au fur et à mesure que vous avancez, il commence à faire de plus en plus froid et de plus en plus sombre. Et au bout de 3 heures, vous arrivez... Quand tu dis qu'il fait froid et sombre, c'est quoi ? C'est le ciel qui se couvre ou c'est vraiment c'est l'impression que la lumière du soleil faiblit ? En fait, c'est les nuages. Plus ça va, plus vous avez l'impression que les nuages se densifient, que la pluie devient... Enfin, qu'elle s'intensifie et du coup, vous êtes mouillé et le soleil ne passe plus. Du coup, il fait beaucoup plus sombre et beaucoup plus froid, beaucoup plus humide. Ah, j'aime bien ce temps. Étrangement, moi aussi, c'est signe que Thanos est de Thanos. Bonne humeur. Pas Thanos, Thanos. C'est bon. Nous allons pouvoir... Je préfère quand même quand il fait joli. Vous arrivez du coup au bout de 3 heures devant un grand parc. Enfin, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et il y a des grandes haies, mais pleines de ronces et d'épines, qui montent jusqu'à 3 mètres de haut. Et la neige s'est mise à tomber quand vous êtes arrivé. La température a clairement chuté. Ah oui, la neige, c'est pas banal en cette saison. Exactement. Et vous arrivez devant des portes en fer forgé, très bien ouvragées, mais tout entaillé dans des ronces. Les ronces, elles s'entremêlent dans tous les barreaux. Et enfin, du coup, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. On est d'accord qu'il y a la fille, là, Elia, avec nous. Ah oui, elle n'est plus là, elle n'est pas été copiée. Si, je crois qu'elle est sous le token de... Sous l'Iraël. Parce que je vois son nom sous l'Iraël. Voilà. Ouais, voilà. Effectivement. Voilà, elle est là. Oui, oui. J'étais là depuis le début. Voyons. J'étais juste cachée. Et c'est ça le temple ? Alors, le temple, il est au centre du labyrinthe. Ah, mais d'accord. Je ne comprends pas. La dernière fois que je suis venue, il faisait beau et le labyrinthe était en fleurs. Vous auriez dû le voir. C'est des roses magnifiques, de toutes les couleurs. C'est vraiment très beau. Ah oui, comme celle que vous avez prise et que vous avez ramenée chez vous, qui a déclenché la malédiction. Visiblement. Et je regarde Bella, je dis non, j'ai pas dit malédiction. Ah. Et tu vois qu'elle baisse les yeux. Elle baisse les yeux, elle commence à se tortiller les mains, tu sens qu'elle est un peu penaude. Bien, avançons, et je regarde, il y a l'entrée là, j'essaie de voir, elle est fermée. J'essaie de voir avec la main, j'essaie d'ouvrir de manière classique, on va dire. Attention, les ronces, ça pique. En fait, tu constates que la porte en elle-même, elle n'est pas fermée, mais que par contre, les ronces qui l'entremêlent font que tu n'arrives pas du tout à l'ouvrir. Est-ce que je peux estimer qu'on peut la déblayer à coup d'épée ou d'armes, ou est-ce que ça me semble une tâche insurmontable ? Non, tu penses que c'est jouable. Bon, parce que alors, je commence à sortir mes 2 épées, et vous voyez que je commence à mettre quelques coups dans les ronces pour essayer de dégager l'accès. Ah, la violence, là ! Donc tu t'acharnes, pendant quelques minutes. Oui, derrière, à moins que tu aies une meilleure solution, Bella ? Non, mais Bella n'aime pas la violence. Mais la recule, toi tapez. Ok, donc du coup, avec ton épée, tu essayes de couper les ronces. Ça prend quelques minutes parce qu'il y en a beaucoup et que les troncs sont relativement épais et les épines, elles vous semblent très agressives. Vous pensez qu'il faut surtout pas se biquer ouais, dessus. Ça. C'est quoi ces 2 éléments de part et d'autre de l'entrée là ? Qu'est-ce donc ça, c'est des piliers. Des piliers, d'accord. Oh. C'est des piliers, ça. Et en haut des piliers, il y a quoi ? Voilà. Rien, c'est juste des colonnes à l'entrée. D'accord. Voilà. Et normalement, vous pouvez ouvrir... Ça y est, une fois que j'ai dégagé, que je vois que tout, j'ouvre carrément là, et je rentre. Et donc, vous entrez dans... Vous comprenez qu'Elia ne vous a pas menti, il s'agit bien d'un labyrinthe. Et vous voyez que tout est recouvert de neige et que vous avez des ronces à perte de vue. Il y a des ronces à perte de vue. L'un de vous a-t-il des capacités d'orientation dans ce genre d'endroit ? Pour éviter qu'on tourne en rond ? On pourrait couper toutes les ronces et avancer tout droit. On m'a dit que si on suivait la paroi de droite tout le long, on arriverait forcément au bout.
On n'a aucun sens. Et on peut brûler les ronces, tout simplement. Ça brûle. Hein. Harris. Je croyais que vous n'aimiez pas la violence. Harris, ça peut. Mais c'est pas violent, le feu. Il me semble, a priori, que vous êtes plus à l'aise avec la nature. J'ai pas compris. À qui ça s'adresse? À Harris. Non. Ah, ok. Il est là ou pas, Guido? Oui. Guido? Tu peux peut-être passer devant et après, il me semble, vu ce que tu as l'air d'être, d'être un homme plus à l'aise avec la nature que nous. Oui, même si c'est pas vraiment la nature. Bon. N'oubliez pas, suivez la paroi de droite. Celle-là. Je la pointe du doigt. Non, mais la droite, la gauche, selon comment on est tourné, c'est pas pareil. Tu as plutôt dit que c'était celle-là à droite. Intérieur. Bon, je commence à avancer. Bon, allez, je le suis. À la limite, nos traces de pas nous montreront si on se trompe dans la neige. Normalement, quand vous avancez, vous gardez la vue du chemin, non? Derrière. Pour l'instant, Oui. Ouais. On l'a aussi dans la ville, ça marchait. Donc, on entre ici. Donc, je suis la suggestion de l'Iraël et je garde un mur de ronce à droite. Ilia, restez près de moi, je vais vous protéger. Ah oui, pardon. Tu vois qu'elle se rapproche, mais elle te fait un petit sourire et elle te double et non, mais tenez-moi la main. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je veux être très gentil et très doux. Oh, on dit comme mais ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Et tu vois qu'elle se précipite à côté de l'Iraël devant et... Venez vous protéger ça derrière mon ventre. Vous serez en sécurité. Je ne suis pas un ennemi, je suis avec vous, gros bidon. Ne l'agresse pas, maroufle. Je vous mais où êtes-vous passé? Je voulais l'aider. Je voulais être amical. Je reprends confiance grâce à vous. Je vais t'apprendre comment on parle aux femmes. Il faut que tu suives mes conseils. Vous ne voulez pas avancer, vous bouchez le chemin. J'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, tu sais. Commence à te parler, à te raconter des conneries d'ivrogne et tout. C'est vrai. Et vous croyez que j'ai une chance d'en avoir une, moi aussi? Non, non, toi, tu n'as aucune chance, mais il faut que tu écoutes les conseils. Personne ne bouge. On ne bouge plus. Ne bougez plus, restez bien devant moi. On ne bouge plus. Hop, alors, attendez. Elia, je vous avais dit de rester à côté de moi. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Alors, tac. Moi, je te jure. Oh, c'est fou. Et du coup, alors le premier qui est passé, c'est Harris. Du coup, toi, Harris, quand tu passais au milieu, quand tu passais à côté des ronces, en fait, il y a les ronces qui se sont jetées sur toi et qui t'ont agrippé et qui, du coup, t'entravent. Vous ne savez pas exactement d'où ça vient, cette chose. Et devant vous, vous avez trois petits êtres qui semblent être faits de glace. Et qui sont en face de vous. Tu peux nous les agrandir, s'il te plaît? Volontiers, on a d'images. J'aimerais bien savoir s'ils sont mignons ou s'ils sont pas mignons. Ils sont, je crois, moyennement mignons. Alors, sur une échelle de on a d'images. Ah, oh, d'accord. Regarde, ils ont le même nez que toi, Bella, c'est tes cousins. Mais c'est normal, je vois un autre token, moi. Lequel? Ici. Oui, moi aussi, là-haut. Oui, c'est normal, oui, okay. C'est celui qui est arrivé en même temps. Et alors là, le turn order, comment ça fonctionne? C'est ce truc. Yes, faut qu'on clique sur un token. Tu sélectionnes à chaque fois le token, hein, tu dois faire. C'est pareil qu'avec les joueurs. Ok, et alors je vais aller chercher. Oh bah putain. Ok. On est bon là? Ouais. Mais pas mal. Il y en a qui sont apparus, mais c'est une erreur, hein, évidemment. Alors, tac. Alors, si je fais ce truc. Niveau là, les initiatives.
Ouais, on est on a le vif. Ah oui, oh là là. On a gâché tous nos bons jeux sur l'initiative. C'est clair. D'accord. Je vois pas l'initiative sur sa fiche de PNJ. Normalement, t'as un petit dé. Faut que tu fermes, t'as la roue crantée. Appuie sur la roue crantée. Ah oui, si c'est bon, je vois. Ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. Bon. Il y est, Hop. Ils sont tous arrivés, oui. Il y en a 3. Et le dernier, il est là. Tac. Dernier résiste. Hop. Voilà, c'est bon. Et après, pour les ranger dans le bon ordre. Décroissant, du coup, tu cliques sur décroissant. Descendant. Ouais, okay. On va avoir décroissant. Ah, voilà qui fait plaisir. On dit chocolatine. Non, je oh putain. Oh, c'est un parti. On arrête la partie. Non, pas ce genre de débat. Voilà. Mireille, c'est à toi. Tu vois, t'étais juste derrière Aris et tu le vois d'un seul coup se faire enrouler par des ronces qui sortent de la droite. Et ces trois petits gnomes gelés devant toi, que fais-tu? Déjà, je demande à mon serviteur, c'est des bestiaux qui volent là devant nous? Oui, ils flottent à peu près 50 cm du sol. D'accord, ben je... 50 cm, c'est pas haut, ça va. Non. Ah, maintenant, ça va. Ok. Je demande à mon serviteur de le choper par les ailes, en fait, pour pas qu'il bouge. Lequel? Celui-là. Ok. Enfin, je lui demande de se préparer à le choper quand j'aurai fini mon tour, quand ce sera à la personne d'après. D'accord, ok. Donc il vient se mettre à côté du... Voilà, il se met derrière, par exemple, tu vois, en évitant les ronces ou à côté s'il peut pas. Et moi, de mon côté, je mets mes deux mains autour de ma bouche. Et je dis, avec le long necta, tu devrais même pas trouver un trésor qui est devant tes yeux. C'est mot cruel, c'est ça? Oui, mot cruel, ouais. Très bien. Bah alors là, je sais. Est-ce que tu peux le relinker? Je sais plus si alors... j'ai quelque chose à faire. Oui, tu as un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde. Alors, c'est parti. De sagesse. Tac. Hop. Oh yeah. Ça doit être raté. Oh, c'est loupé. Oui, c'est 13. 11 pour 13. À moins qu'il ait et un du coup, c'est un des 4 et il a le désavantage au jet d'attaque à son prochain tour. D'accord. Ok. Et il prend 4. Et il prend 4. Parfait. Alors lui... Et alors pour passer les tours, tu te déplaces ou pas du coup? La flèche. Une petite flèche en bas. Ah oui. Oui, je vais quand même me déplacer. Grand Kellen. Ok. Ça marche. Et du coup, c'est la flèche pour passer de tour, c'est ça? Ouais. Ok, tu sais que du coup. Ah, moi, je suis encore en train de... Vas-y. Juste, excuse-moi, du coup, mon serviteur, est-ce qu'il donne l'avantage à la personne qui l'attaque? Ouais, ça me va. Ok. Moi, je suis encore en train de parler avec Bella. Mmh. Oh non, toi, tu n'as aucune chance. Ah bon, on va se battre maintenant. Hein. Où tu vas, gros bichon? Reste avec moi, tu dois me protéger, je suis tout frais. Viens avec moi, on va se battre. Du coup, j'arrive. Je me retourne, dépêchez-vous! Il peut pas bouger, c'est pas mon tour. Oh mon dieu! Gros bidon! C'est pas tout seul! Allez, un petit lutin de glace, on va lui tirer dessus. J'ai peur. Je sors une arbalète légère. Il y a.
Elia. J'essaie de viser sur celui-ci. Elia. Attendez, elle arrive jeune, je ne suis en train de faire 15 trucs. Tu as l'avantage. Hein. Ah, j'ai l'avantage. Ah, gros bidon, alors balette. Ah, bah voilà. T'en as même. Ah, bah, du coup, j'ai fait un critique. Alors. T'as pas d'avantage avec une arbalète. Si, parce qu'il le tient en l'air, en fait, il a fait l'action. Son serviteur le tient. Mon serviteur de le tenir par les ailes, en fait. Donc il bouge plus techniquement. Bah, je vais pas suivre, okay. Je vois pas la map. Bon, enfin, ok, bah, moi si j'ai un avantage, je le prends. Hein. Oui. Bah, du coup, ça touche. Hein. Et bah, du coup, ça lui fait 13. C'est celui du milieu ? Je vis celui qui est blessé là. Oui. Ouais, celui qui est blessé. Ok. Question, est-ce qu'on compte les munitions MJ ? Non, non, non. Okay. Ça me va. Ok. Est-ce que tu... Bah, tu t'es déjà déplacé, non ? Je me suis déjà déplacé pour venir ici. J'ai fait mes 7m50 là, de nain. C'est la première fois que je vois un perso qui se déplace pas. Ok, très bien. Bah, du coup... Paris. Bah donc moi je suis entravé là par des ronces là, c'est ça? Oui. Alors je sais plus ce que ça fait entravé. Bah je pense qu'il faut que. C'est que tu peux. Il faut que je fasse. Alors attends. Un jet de. Par exemple un jet d'athlétisme pour. Attends. Entravé. Entravé. Entravé la vitesse. Une créature entravée voit sa vitesse tomber à zéro. Ne profiter d'aucun bonus de vitesse. Jets d'attaque contre les créatures sont avantagés, tandis que ceux de la créature sont désavantagés. Et la créature est désavantagée au jet de sauvegarde de Dex. Ok. Et du coup, si tu essayes de te sortir de cet état-là, il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de force, si tu essayes de sortir. Ok. Bon, bah, je vais essayer de me sortir de ces ronces. Ouf. Ça rate. Tu restes dans les ronces. Et tu sens les ronces se resserrer un peu plus sur toi. Il y a des épines qui commencent à rentrer dans ta peau. Non. Alors, c'est lui. Lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tac. Il va s'approcher du coup de toi qui est entravé. Et est-ce que ça va marcher? Il essaye de te griffer. Ça passe. Ça passe. Et alors pourquoi je peux pas faire les dégâts de ce truc? C'est 1d4 plus 1. Hop. J'ai quel ça? 5. 5. Oh. Ok. Commence bien pour moi. Guido égal à lui-même. Tout à fait. Bella, tu es derrière, tu ne vois pas tout ce qui se passe. Hey, que fais-tu? Gros bidon, Elia, restez à côté de moi, restez derrière moi. Oui, je vais rester derrière vous. Déjà, poussez-vous. Oui, il est super maladroit. Kellen, pousse-toi, vous êtes tous devant. Et du coup, je vis celui-là et je fais des charges occultes. Il est en train de dire des voix. Engla, Herwers, Venbola, Rigdo, Neoyo, Rictum, Flashtum. Ça touche. Il y a une espèce d'éclair qui commence à zigzaguer entre Kellen et Harris qui passe et qui vient shooter le Néphite. Le Méphite. J'avais pas mis le bon truc, il était rouge. Du coup, je te laisse nous dire comment est-ce qu'il. Oh, bah il explose littéralement. voilà, il est en train d'exploser sur place. Et puis Bella repasse. Et gros bidon, remets-toi devant moi, je vais avec Elia. Du coup, le truc explose en mille éclats. Ça touche un peu Harris, mais ça va. Kellen. Mais écoute, moi je suis exposé. Je vois que notre ami Harris était quand même un petit peu en difficulté, donc je vais me déplacer pour me mettre juste à côté de lui.
de lui, donc je me suis déplacé. J'ai dégainé mes deux armes. Et écoute, je vais frapper deux fois. Et bah, c'est parti. Alors, hop, la fiche. Donc, de ma première arme, je tente ma chance, je tente de lui mettre un coup. Ouh. Ouh, oui, oui, ça touche. Je prends 5 de dégâts, tranchant. Ok. Premier coup, le touche. Et j'enchaîne avec ma deuxième arme en action bonus. Mm-hmm. Et je refais donc un G. Ah, 13, je sais pas trop. Ça touche aussi. Ok. Et mon deuxième coup le touche pour 6 de dégâts. Ouh. Alright. Et B. Ouais. Ah, j'avais fait optimiser un petit peu le combattant. Ouais. Oui, j'ai vu. Ça faisait un moment que ça me trottait de jouer ce genre, un truc comme ça. Et voilà, je reste en position de combat. À la limite, si je peux éventuellement dans l'action, tu vois, essayer, bon, c'est un peu RP, mais d'avoir légèrement repoussé la créature pour que je puisse être entre elle et Harris pour être devant lui en fait, pour le protéger en fait. Voilà mon action principale, si je peux dans la mesure du possible. Voilà. Oui, bah comme tu lui as infligé des dégâts, au pire il s'attaquera à toi après. Donc. Voilà. Et fin de tour pour moi. Ok. Hop. Alors. Ok. Du coup, c'est au tour de la créature qui est dans les ronces. Et tu sens que les ronces se resserrent très fort d'un coup. Les aiguilles te rentrent dans la peau. Mmh. Et. Mmh. Ok. Et ça te coûte 6 points de vie. Ouf. Alors, le méfit, celui-ci, c'est celui-là. Du coup, il va se déplacer vers Kellen. Et il va essayer de lui mettre un coup de griffe, hein, comme pour l'autre. Ouh. Oh la vache. Oh punaise. Le critique du niveau 1. Le critique. Il est jamais bienvenu. C'est quoi les règles du critique déjà? Tu lances double dégâts, tu vois. Deux fois les dégâts. Double dégâts. Ah, normalement, tu as configuré les dégâts de ta griffe? Non. Du coup, il est pas. Bah, il est pas des 4 plus 1. Un des 4 plus 1. Un des 4 plus 1, ouais. Tu rajoutes un des 4. Deux des 4 plus 1. Deux des 4 plus 1. Ça va. 5. T'as pris à moitié. J'étais tellement concentré sur la première créature que je l'ai vraiment pas vu arriver et en fait il m'a attrapé. Il m'a massacré par derrière. Ouais, mais là il veut pas en rajouter, il y a eu un critique, mais il y a un avantage normalement. Et donc lui il est mort. L'Irael, du coup, c'est à toi. Je vais utiliser inspiration bardique. Je crie à Harris. Tu vas t'en sortir! T'inquiète! Essaye de te délivrer encore! Et puis après. Alors je suppose, vu que ça c'est une action bonus, je peux pas en plus déplacer mon serviteur. C'est une autre action bonus, oui. Ouais, ok. Du coup, c'est une action bonus. Et alors du coup, je te le link. Ouais, voilà, j'allais dire comme ça, Guido, même si je pense qu'il sait. Il permet de jeter un D6 sur un jet de sauvegarde. Ou d'attaque. C'est des jets de sauvegarde qui doivent faire pour sauvegarde, se libérer. Sauvegarde, ouais, d'attaque ou. Ouais, sauvegarde. Enfin, en fait, peu importe, c'est ce qu'il choisit. Il me semble. Ok. Et je vais. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais quand même, je vais attaquer celui-là, je vais le finir quand même. Et je dis, je vais t'éclater! Mais arrête de jouer de la musique! Et du coup, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse aussi, je crois, non? Je sais pas, tu fais quoi? Cri cruel encore. Oui, ça doit être de la sagesse, on avait dit. Alors, hop. Alors, sagesse. C'était 13. Pour une fois qu'elle se moque pas de moi.
Oh. Ah. C'est pas de bol. Ouais, clairement. Pas de chance. Ouais, mais dommage. Et ça du fait, coup, bah, ça je... fait pas du tout de dégâts, même pas la moitié, non? Bah, je crois pas. Si elle aurait eu tout. Non, ça fait rien du tout. Ouais, sinon, je suis en train de vérifier. Non, c'est bon. Ok. Ok. Et du coup, bah, je me cache derrière Cusek. Très bien. Cusek à toi. Yes, question, est-ce que y a moyen de venir au contact de lui sans se prendre des ronces en fait? Oui, sans égratigner mon bidon. Bah, quand même, j'ai le ventre à l'air quoi donc. Oui, oui. Allez, et bah du coup, je lui fonce dessus, je lève ma masse d'armes en l'air et je hurle lâche le puant! Avec la voix de Cusek, pas avec cette voix de merde que je viens de faire. Et... Très bien, très bien. Ça touche. Oh yeah. Je lui ai fait 7 dégâts. Ouh. Ok. Ouais. Et du coup, Aris, toi, tu sens les ronces qui commencent à se relâcher. Bah justement, c'est à toi. C'est à moi. Donc, moi j'ai réussi tant bien que mal à saisir un petit peu la garde de mon épée qui va m'aider aussi à me dégager de là. Et j'essaie de me redégager de ces ronces. Et t'as l'inspiration bardique. Ouais. Oui, mais du coup, tu n'en as pas besoin. Tu arrives avec ton épée à trancher. Vu que les ronces s'étaient relâchées, t'arrives à la dégainer et à trancher les ronces qui t'entravaient. Et tu peux du coup bouger librement. Bon, je vais me... Il aurait fallu attendre qu'il se prononce... Je peux quand même me reculer parce que j'ai pris cher, là. Oui, c'est vrai. Parce que sinon... Enfin, là, on va dire que tant pis, c'est pas grave et je pourrais en remettre une, mais... il peut... En fait, il te dit... S'il utilise l'inspiration, il a 10 minutes pour l'utiliser. Et il te dit s'il l'utilise après avoir jeté, avant que tu lui dises si c'est good ou pas. Oui, mais je l'ai pas utilisé. Voilà. Ouais, je pense qu'avec un 19, tu l'aurais peut-être pas utilisé. Non, oui, non, ouais. 19, ok. Ok. Alors lui, est-ce qu'il est toujours là? Oui. Du coup, lui, il va s'en prendre à Kellen qui est juste à côté de lui. Oh. Ça passe, juste. Ça passe. Alors, il faut que je dégage ça. Ça fait 3. Là où tu vois que le niveau 1, c'est quand même chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, j'avoue. Oui, que Kellen est au milieu de la mêlée, et là, il se fait un petit peu attaquer de tous les parts, il se fait agresser. Il essaye de résister, mais il prend des coups. Il prend des coups, malgré son expérience au combat. Voilà. C'est bon. Du coup, c'est Bella. Oui, il y a risqué là, je reviens. oui, oui, elle va se cacher derrière Mireille. Attendez, il est blessé, lui. Oui. Charge occulte. Oh, il n'y arrive pas, ça marche plus. Allez, sors. Ça touche. Ah oui, c'est pas fameux là. Je me suis un peu loupé, j'ai glissé dans la neige. Mon dieu. Ok. Je me replace ici. Aïe, je me suis fait piquer par les ronces. Oh là là. Ok, très bien. Tu finis ton tour du coup? Oui, Bella fini. Très bien. Kellen, c'est à toi. Oh putain, je te jure. Elle est unique, ton perso, ça c'est clair. Oh la vache. Donc je vois que effectivement Bella réussit à toucher avec son écart de force celui-là. Donc...
Je vais me concentrer sur lui, essayer de l'achever si j'y arrive, en le frappant avec mes deux épées. Oui. Donc c'est parti, mon premier coup, j'essaye de viser la tête. Ça touche. Et il prend 4 de dégâts tranchants. Et c'est exactement ce qu'il lui fallait. Donc je le décapite. Vous voyez comment ma lame passe au-dessus de son cou et le décapite net. Et je me roule. Et il éclate en plein de petits éclats de glace comme l'autre. Et avec mon deuxième attaque en action bonus, je me retourne brusquement et j'essaye de frapper celui qui est juste dans mon dos. Très bien. Oh, j'ai trop de critiques. Ah oui, ça touche évidemment. 8 de... Ouh. Ouais. J'étais un petit peu énervé parce qu'il m'a fait mal tout à l'heure quand même, c'est lui qui m'a fait très mal. Et je me retourne donc et je lui assène un violent coup sur le torse. Alright. Il fait un tour pour moi. Parfait. Attention gros bidon. Exactement. Ça m'arrive dessus là. Je suis en train de regarder si j'ai un jet à faire ou si toi tu as un jet à faire. Mais non. Toute créature présente dans la zone lorsque les plantes poussent. Donc tu es aussi entravé, donc tu vois les ronces qui sortent de la haie et qui t'agrippent. Alors attends, j'ai un truc qui s'appelle Fureur de l'ouragan. Je te le link. Très bien. Au niveau 1, lorsqu'une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 1m50 vous touche, vous utilisez votre réaction pour obliger l'attaquant à effectuer un jet de sauvegarde de Dex. En cas d'échec, tu prends 2d8 dégâts de foudre. Ok. Ça me va. Alors, un jet de sauvegarde de Dex. Oh, ça va. Oh, alors c'est raté. Ouais, je suis pas sûre. Contre toute attente. Mais... Peut-être, hein. Alors, 2d8. C'est violent, mon truc. Oh, ça fait mal, de ouf. Oh bon, voilà, on n'est pas vraiment dans la configuration. Allez, hop. Bon. D'accord. C'est la bière, des dégâts de foudre. Oui, mais ça fonctionne très bien. Je te laisse vous expliquer. Bah en fait, vous avez vu l'espèce de lierre commencer, et au moment où il est rentré en contact avec moi, vous avez vu mes yeux se mettre à briller et une sorte de décharge jaillir de mon corps qui l'a calciné sur place. De son nombril. De mon nombril. De son nombril. Quoi ? Mon Dieu. C'est sorti de mon nombril. Quand tu rotes la bière, c'est violent. Hein. C'est des dégâts de bière. Très visuel. C'est très visuel. Donc pour info, j'ai 3, j'en ai 3 à dépenser de ça. Donc j'en ai plus que 2. D'accord. Ok, ça marche. Pour le niveau 1, c'est... Ah ouais, ça fait c'est pas mal, hein. Ouais, c'est énervé. Ouais, c'est le truc du clair. Clair de l'orage. Clair de la tempête, ouais. Ah ouais, costaud. Ouais. Lui, il est toujours pas mort. Du coup, il va attaquer Kellen, qui est juste à côté de lui. Non, son coup heurte mon armure, mais... L'armure. Ça glisse. Tu sens une petite sensation de froid, mais... Il se passe rien. Allez, Lirael, laissez-moi votre place, s'il vous plaît. En effet, Lirael, à toi. Du coup, je demande à mon serviteur qui était normalement par là de se mettre là pour me... Oui. Oui. Pour me... Bah, le tenir, parce que je vais... Ah non, j'ai plus l'arbalète. Attends, j'ai quoi ? Je sais plus ce que j'ai. Il doit avoir des fléchettes, je crois. Ouais, mais les fléchettes, ça fait que un dégât, mais c'est surtout pour les empoisonner que je les ai. Ah non, j'ai un cimetière, c'est vrai. Oh, bon, écoute, non, je vais lui faire une moquerie. Une moquerie cruelle. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Très bien. C'est tellement cruel. Ça ressemble pas à l'éloquence d'hier soir. C'est un jet de sagesse. On m'a souvent appelé comme ça. J'ai cru qu'elle me parlait à moi. Oui, mais c'est normal, tu portes la raie au milieu aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai une capuche. Harris. Mon Dieu. J'ai fait ce jet de sauvegarde, je pense que ça passe du coup. Yes, et du coup, je sais jamais, c'est un des 4. Il a des avantages à sa prochaine attaque. D'accord.
Oh là là, mais... Ouh. Oui, il y a des sacrés chez ce soir aussi, t'as pas de chance. Ah ouais, ce soir. Ouais, en vrai, ça va. Et toujours debout, il reste là. Et du coup, bah, je vais me replacer là. Ah non, non, mais très non. Bien. Non, mais... Mais non, mais... Tu sais qu'il y a toi. Ah pardon, c'est à moi encore ? Oui, 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 oui. Mais c'est allé. Oui, mais c'était ma réaction, pardon, excusez-moi. Il a attaqué à son tour. Ça suffit maintenant. Je fonce vers lui avec ma masse et je lui essaye de lui asséner un énorme coup de masse. Vais-je y arriver ? Oui. Oui. Oui, large. Et 4 dégâts. Et c'était pareil, tout pile ce qu'il lui fallait, du coup. Non, je me sens bien aujourd'hui. je vais voir Aris. je lui dis, ça va ? Je te vois un peu pâle, tu t'as de quoi te soigner ? Non. Bah je sors le parchemin de soin. Je peux vous faire un massage si vous voulez. Oh merde. Non, je préfère le parchemin. C'est un D8. C'est ça. Et bien, le ça parchemin va de soin, je sais pas, je vais regarder, attends. Je crois que c'est D8. Je crois que le sort soin c'est un D8. Ah bah il me semble que je peux dire parce que je l'ai. Ah tu l'as toi ? Oui, mais je suis à niveau 1, faut que je garde pour la fin. Pas maintenant. Merde, ah non, je l'ai pas lancé, hein. C'était pour voir le. Je oui, voir oui, le oui, truc. Oui, t'en fais pas. Ah, mais c'est ça, ouais. Ça me fait. C'est 1d8 plus le modificateur de sagesse, ok. Dac, et moi en sagesse, mon modificateur c'est. C'est plus le modificateur de caractéristique de lanceur de sort, donc ça dépend pour les bardes, je sais pas si d'accord. C'est sagesse. Donc toi c'est charisme, du coup c'est. Ah 3. Oui, c'est charisme, c'est. Ah, donc oui. Ça fait 8. Ouais, elle l'a pas lancé encore. Ah bah je sais pas, je voulais... Ah bah non, c'était... Non, c'était oui, moi, je voulais dire c'est la description. C'est Cusek qui a fait une petite erreur. Oh. 8 belles... 3 et 3... Je fais des feintes de soins. Vous n'êtes pas blessé, Elia, ça va ? Non, ça va. Ça va, mais... La dernière fois que je suis passé, il n'y avait pas toutes ces créatures, hein. Ah. C'est terrifiant. Oh, mais... Vous inquiétez pas, il y a Gros Bidon avec nous. On craint rien. D'où c'est Elia ? J'avais vu ce qui est sorti de son nombril. Je serai votre chevalier servant. Je suis là pour vous protéger. Et de tous les importuns. Et je pousse un peu comme ça, Bella, derrière moi. Ah, vu dans les ronds, ça pique. Je vais abîmer toute ma veste que j'ai trouvée dans les poubelles. Elle se met à côté de toi, c'est vrai qu'avec tes éclats, elle est plus rassurée d'être à tes côtés quand même. Du coup, je fais vraiment des grands mouvements avec mes épaules, même si je suis bas. Je marche fièrement juste devant elle. Très bien. La tour est au centre du... Oui. La tour est au centre du labyrinthe. C'est généralement le cas. Oui. Vous êtes pas trop blessé, ça va ? Ça ira. Moi, je suis quand même bien blessé, mais bon, j'ai. Je ne sais pas s'il faut parler à vous, Aris. C'est dommage, Aris, on ne sent plus ton odeur avec le froid. J'aimais bien. Ça reviendra. Bon, et par où on va alors ? Moi j'examine quand même les trucs de glace parce que ça m'intrigue. Tu vois que c'est de la petite glace scintillante et qu'elle est beaucoup plus dure que les autres morceaux de glace que tu pourrais trouver dans les ronces, etc. Mais il n'y a rien de particulier. Tu peux en mettre un dans ta poche si tu veux, mais... Ça va fondre, non ? Tu vois qu'elles ne font pas tellement. Genre, elles font... Ah, d'accord. Quand tu la mets dans ta main, elles font... Oui, voilà, ça ressemble plus à du verre. Ok, j'attrape un des nez qui traîne et je l'arrache. Très bien. Et quand j'essaie de voir si Bella a le dos tourné ou pas. S'il a le dos tourné, j'essaie de comparer un peu son nez au nez de la bête. Et devoir d'établir un lien de parenté, peut-être.
Et j'inspecte juste les restes. Et là, tu tournes le dos ou pas, oui? Ah bah je le vois pas, non. Ah bah je vais faire un jeu de perception, si tu veux. Mais donc... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi? Encore? Tu te moques des gens contre qui on se bat et tu te moques de Bella. Pas bien, pas gentil. Iraël, moi, donner des compliments et toi, moquer Bella. Pas gentil. Hein? Sauf que... Et vous avez vu vous autres. Elle se moque de moi. Si t'avais bien remarqué, quand je me moque des méchants, ils commencent à exploser un petit peu. Alors que quand je me moque de toi, c'est plutôt gentil puisque tu ne reçois pas de dégâts. Et je pourrais c'est pas mal. Et détrompe-toi, Bella explose aussi, hein, et ça peut arriver. T'inquiète pas. Non, ça s'appelle péter. Ouais, pousse c'est à vous, Bella. Pousse à vous, Bella. Mais c'est comme ça, péter, je te montre. Non, écoutez. Continuons. Nous avons encore un petit peu de route. Elle m'énerve. Elle se moque de moi. Tu... Oui, je comprends. Tu as bien vu, Elia. On va où alors? Oui, j'ai vu. J'inspecte juste ce machin. Alors que moi, je suis gentil, Bella, d'où? Tu tombes sur des lianes gluantes, mais il y a rien de, il y a rien de valeur. Très bien. Mais là, peut être gentil, Elia. oui, j'imagine. Et là, elle se retourne et elle cherche plus sec des yeux. Ah, gros bidon, pousse-toi. Tu lui fais peur avec ta face de cadavre. Pousse-toi un peu. On avance. Non. Je vous suis, j'ai pas passé devant et laissez donc qu'il y a tranquille et avancez. Venez, tous Elia. Je vous protège. Hélène avance et je le suis parce que bon, sinon on va jamais y arriver. Il a un sacré pare-choc, Robidon. Et j'avance, mais maintenant je me tiens bien à distance des murs de ronces. Robidon devant et moi derrière. Vous étiez censé me faire repérer. Ouais, c'est pas vraiment la nature ici, hein. Ouais, ce sera votre excuse. Je sens une présence. Comment? Ah, mais ça doit être nous. Je l'ai pas vu venir non plus. Je me suis dit, merde, il a eu un MP, du MJ et tout. Il dit, tiens, il est sur un RP là, ça y est. Non. Pourquoi vous n'avancez plus? Bon, on avance. Tu parles de son passe. Allez, avançons. J'avance quand même prudemment, hein, avec ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on avance surtout au hasard, complètement. Qui c'est qui décide par où on tourne? Écoute, moi j'avance parce que je vois que ça... J'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac, là. Exactement. J'ai les bottes pleines de neige. Pas par là, c'est très désagréable. Le coin est fermé par ici. C'est plus ça commence à faire froid. Ouais, il faudra reprendre son chemin et essayer de prendre vers la droite. Faisons demi-tour et passons ailleurs. On peut pas essayer par là. Bon, Cusek va vous montrer le chemin. C'est par là. Oui. Mais non, mais il n'y a rien là-bas. C'est un cul-de-sac, ce n'est pas par ici. Il faut aller à gauche, mais je ne passerai pas devant. Là-bas. Oui, j'avance, moi, parce que... Vous avez l'air d'une poule mouillée. Ouais, moi j'avance. Mais non, mais je suis mouillé, putain, mais je ne suis pas une poule quand même. Fais attention à ne pas toucher. Je suis bien plus intelligent. Tout une poule glacée. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Ah non, c'est Harry. J'allais dire non, normalement il n'y a personne. Pareil. Bon. Faites attention à vous. Oui, je suis prudent. Je suis trop devant, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Je suis pas à la place. Restez donc là-bas, je reste avec Elia de mon côté. Je vous attends parce que vous traînez un peu là. Gros bidon, vous devriez aller devant. Vous laissez votre ami blessé devant? Oui, oui. Avec moi alors. Bella, va t'occuper de notre ami blessé. Vous savez, ce n'est pas vraiment notre ami. Vous écrire, vous savez, Elia. Alors, je n'ai rien à faire avec ce groupe de gens. J'ai planté, ouais, gros le Tu vas arrêter de dire des conneries, peut-être. Oh mon dieu.
Ouais, j'ai explosé le compteur de profit des gens, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Vous savez, il y a chez les nains, la taille du bill est égale à la taille de l'honneur. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Ah, j'ai de l'honneur. J'ai eu très peur. Me voilà rassuré. Mais à quoi allez-vous donc penser, même si ce n'est pas totalement faux, bien sûr. Attendez-moi, je suis accroché, je suis bloqué. Vite, éclipsons-nous. Vous n'allez pas aider votre ami? Il y a un DVD, s'il vous plaît. Il est déjà mort. Oui, bah, écoutez, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, vous vous êtes décroché. Oui, j'ai arraché un bout de mon pantalon. On doit voir mes fesses maintenant. Non, non, vous en faites pas. On voit pas vos fesses. J'ai mouton. Mon Dieu. Et là, vous voyez qu'il a, il a tout le falzar arraché en fait. Il y a un pan de pantalon qui pend, mais on lui voit une, ses fesses hideuses. Le charclos. Ah, mais il n'est pas possible celui-là. Il a des fesses. Imagine qu'il a des fesses livides comme le visage. Bah oui, vous m'étonnez. J'ai un peu froid. Vous n'auriez pas quelque chose pour que je mette mon pantalon, s'il vous plaît? Je ne peux plus. Oh la vache! J'ai froid! Quelqu'un n'a pas d'événement en rechange! Du coup, j'allume une torche. Oh là là, il moi, j'ai. Je sors de mon sac. Je sors de mon sac une jupe! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à rigoler je comme ça? Dirige... En fait, il s'en est même pas aperçu. Hein. Et il passe devant et vous voyez ses fesses devant lui. Et là, il y a Elia qui vous rattrape en vous disant « Ah, je reconnais le chemin, c'est là. Venez. » Ah, merci Elia. Il y a quelqu'un de sérieux dans ce groupe. Bella, attends, tiens, regarde, tourne-toi. Regarde, t'as un gros trou, on voit tout ton cul. Et je te tends la jupe. Merci Derek. Gentil avec Bella, c'est bien, c'est sympa. Elle est quelle couleur la jupe du coup? Elle est verte. Ah, j'ai le cul vert. Le cul. Vous voyez donc Bella avec une magnifique jupe verte. Le cul vert Rémi. Avec elle de la dentelle un petit peu et, oui. Et du velours. Je suis sexy, je trouve. Ah, voilà qu'elle utilise ce genre de mots. Elle va aller se reproduire dans les auberges maintenant et il va nous en faire plein d'autres. Moquez-vous, moquez-vous. Il n'y en a qu'un comme moi. Je suis l'unique, moi. Du coup, vous arrivez au centre du labyrinthe. Oh, attends une seconde. Ouh. Non, ouais. Bon, vous arrivez donc au centre du labyrinthe. Allez. Et il y a une, vous voyez une grande tour en pierre. Et devant vous, de ce côté-ci, vous voyez qu'il y avait il y a une porte pour rentrer dans la tour. Elle est à quel niveau la porte? Elle est par là. Okay. Au sud-est. D'accord, par là. Oui, voilà, elle est en face de vous. En gros. Ah, il y a une porte. Est-ce qu'on la défonce? Oui. J'aime bien casser les portes. Peut-être qu'on peut juste l'ouvrir. Peut-être. C'est la tour dont je parlais. D'accord. J'essaie d'ouvrir la porte. Elle s'ouvre. Ah, mince. Et... Alors, au dé... Ne bougez plus. Ne respirez plus. Ah, on se fait attaquer. Non. C'est pour vous copier-coller, là. Personne ne copie-collera à coup sec. Vous avez des idées uniques de toute façon. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Et donc, oh. Vous entrez dans la tour. C'est une tour où il n'y a pas de salle en fait. C'est juste des escaliers qui montent un peu comme dans un phare en colimaçon. C'est assez glissant. Il fait encore plus froid dedans parce qu'il y a des courants d'air qui s'engouffrent par les espèces de meurtrières qui laissent passer un peu de lumière. Et après avoir monté, je dirais, 4-5 étages, c'est quand même assez haut, vous arrivez dans une salle, la salle principale du temple. Au centre, il y a une fontaine avec une grande statue de la déesse qui est vêtue d'un drap. Et vous voyez dans la fontaine qu'il pousse des roses qui sont dorées.
probablement les roses dont vous ont parlé, Lyra. Est-ce qu'il y a une quelconque... Je m'approche un petit peu et je regarde si je vois une quelconque inscription quelque part en langue commune. Je sais pas, je vois s'il y a quelque chose d'écrit. Je fais un petit peu le tour et j'essaie de voir si... Et je... Ok, voilà. Et alors du coup, vous ne bougez pas plus. Vous faites le tour. Vous ne bougez plus. C'est compliqué, Rolvin. Oh, c'est une question d'habitude. En gros, dans le fond de la salle, vous voyez cette personne. Tac. Qui est sans doute le druide. Mais vous voyez qu'il est ravagé par les ronces et les branches, et que ses membres ont commencé à se transformer en branches, qu'il y a de la mousse et des feuilles qui commencent à pousser, et que son visage est tailladé. Et c'est parti. Tiens. Ah, ben là, tu vois, il y a plus moche que toi, finalement. Mais je ne suis pas moche. Mon Dieu. J'ai juste besoin de prendre le soleil, mais je n'aime pas le soleil. C'est mon problème. Écoute, Bella, moi je trouve que ton visage est fort intéressant. Tellement. Oh non, c'est vrai, je pourrais même écrire un poème sur sa tronche. N'est pas une table. Alors, un, deux, trois. Moquez-vous. Tous les deux, vous moquez de moi de tout le temps. Ah non, 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 c'est vrai, je trouve ça fort inspirant. Il mes amis avec Hélène. Eux, ils me soutiennent. Ils m'aiment bien. Ah oui, pardon. Hein, Irène et Sekilot et Bella. Ah, pardon, j'ai pas fait l'initiative. Je parle, moi. Je vois. Je laisse libre cours à votre imagination. T'es mal barré, alors, avec... Je cherchais ma fiche et... Et j'avais des coups. Ouh. Alors, hop. Oui, c'est bon, c'est dans le bon sens. Du coup, c'est Harris qui commence. On est d'accord qu'il est sorti des feuilles de derrière. Là. Il paraît agressif. Oui, il est en train de se jeter sur vous. Bon, moi je fais un petit pas de côté parce que la statue me gêne. Et j'utilise mon arc long pour lui tirer dessus. Très bien. Ça touche. Bon, je fais 3 dégâts. C'est beaucoup. 3. Comment ça se fait? Ça marche. Ah oui, 3. Putain, c'est rien. Gros bidon, vous devriez aller à sa rencontre. Refaites le truc du nombril, là. Refaites-le. Vous êtes le plus corpulent du groupe. Ça se voit, mais la voix. La danse du nombril. Oh oui, okay. Putain, la prochaine fois que tu fais ton éclair de nombril, fais une danse du nombril pour le jeter. Si ça se trouve, il avait amical, il était peut-être aux toilettes derrière son sapin là-bas, on l'a arrêtez, dérangé. Arrêtez, je suis juste bien portant. Je me déplace... Tu sais, toi et ton nombril, que fais-tu? Je me déplace ici. Est-ce que j'ai un couvert partiel ou quelque chose ici? Non, la fontaine, elle est relativement basse. D'accord, hein. Ok. Et c'est le truc au milieu, est-ce que éventuellement si je me mets sur le côté, ça peut me protéger un peu? Bah, de toute façon, il va contourner. Ouais. Bah, genre, je vais me mettre là alors. Là, mais... Tu vois? Ouais, voilà, ok, ça marche. Tu patauges dans les fleurs dorées? Tout à fait. Tout à fait. Odem. Je respecte rien. C'est pas la statue, l'ennemi. T'as Elia qui s'écrit derrière, ne profanez pas le sanctuaire. Ce n'est pas mon dieu. Il peut parler, celle-là. Et du coup, j'essaie de tirer à l'arbalète. Très bien. Oh, viens, tu sais que c'est de l'eau, t'aimes pas ça?
Ça touche. 7 dégâts. Ça marche. Je vous ai pas mis les petits... pardon. Les petits quoi? Les petits... pour les indicateurs de... est-ce qu'il avait encore de la vie ou pas? Ah oui, il est... C'est à lui. J'ai l'impression que je vais prendre cher. Il va pas sur les roses. C'est Bella qui m'a dit de courir devant, comme par hasard. Du coup, lui, il s'approche, il se précipite ici. Et il essaye de t'envoyer... tu vois que de ses mains, il sort un trait de flamme. Mais avec mon 10, j'imagine que... Non, je le repousse avec mon, voilà. Avec mon bide. Exactement. Donc ça passe, on va dire que ça passe à côté parce que tu n'as pas d'armure sur ton ventre. Ça roussit les poils du ventre, mais... Voilà, ça te roussit les poils des flancs, mais pas plus que ça. Il est suffisamment, velu du ventre pour que les poils les protègent. Ouais, Hélène, à toi. Oui. Bah, écoute, faut que moi, je pense à te dire si j'ai le bouclier ou pas, quand même. Pour le... Mais moi, écoute, je vais m'approcher au contact, parce que de toute façon, c'est ce que je fais. Mais là, 10. Et j'ai dégainé mes deux armes, et à nouveau, je tente de. Moi, j'ai empêché de tuer. Écoute, je vais partir un premier coup, normal, et puis après, je verrai après. Très bien. Je dégaine mes deux armes. Je pense pas que ça marche, par contre, 9, ça me semble un peu bas. Non. Mon premier coup, la précipitation passe à côté. Je tente de ramener avec ma deuxième arme un deuxième coup, qui échoue aussi lamentablement. Et ça glisse un peu par terre, du coup, t'es pas totalement bien sur les appuis. Mes deux armes ne le touchent pas. Et fais un tour pour moi. Très bien. Bella, tu es derrière, tu protèges Elia, que fais-tu? Ouais, je me rapproche un peu et j'essaie de communiquer avec lui. Très bien. En disant un esprit éveillé, je dis... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'on se batte contre toi, Bella? Gentil, on peut discuter. Non, tu ne veux pas parler, vieux bonhomme. Et là, t'entends que des cris de douleur, comme des cris de folie, en fait. Il parle pas, possédé. Mais... Il te répond par l'esprit, c'est ça, hein? Non, je sais pas s'il me répond, il m'entend, mais je pense pas qu'il puisse me répondre. Ah, en tout cas, t'entends. On va dire qu'il te parle, il te répond par télépathie éventuellement, et t'entends que des cris de douleur et des cris de folie. Alors, mais rien d'intelligible. Si tu me l'accordes en action bonus, parce que c'est pas une action, hein, n'est-ce pas? Bah oui, si c'est pas une action, ça passe en bonus, ok. Il n'écoute pas, il est possédé, il faut l'enlever de cette malédiction. Non, non, c'est pas une malédiction. Non, qu'est-ce que je dis? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Ah, des charges occultes. Oh mon Dieu. Vous voyez, c'est éclairs qui passent juste à côté de Kellen, hein, qui se penche, qui vient de frapper. Ce vieux bonhomme. Ah, vous faites des gros jets, hein. Ah, j'ai fait presque des gamins. Mais... Ce sont des jets bien portants. Exactement. Lirael, à toi. Est-ce que on voit s'il a un objet Non, de là où t'es, tu vois rien. D'accord, ok. je sais pas si on le finit ou pas, quoi. J'aimerais bien essayer de l'attacher, mais je pense que je suis un peu loin de toute façon. Je vais me rapprocher déjà. Je crois que c'est 7 mètres pour moi. Ah! Ah bah si, ça va en fait, je suis au cac. Du coup, je sors ma corde et j'essaye de l'attacher. Ok. Est-ce que je dois faire un jet pour ça? Oui, ça va être un jet de force, je pense. Oh. Ah ouais, pas fou.
Ben, je peux m'inspirer moi-même ou pas avec mon inspiration bardique. Vous pouvez inspirer les autres en maniant les mots ou la musique. Ouais, non, c'est que les autres. Non, de mémoire, c'était que les autres, ouais. Ok, bah je vais quand même inspirer quelqu'un. Au cas où. Ah, c'est dommage. Et où tu veux inspirer Bella? Inspirer ou inspirer? ça peut partir. Je vais inspirer. Cul sec, du coup. Ah oui, elle va inspirer cul sec. Oh, d'accord. C'est lancé comme ça. Et du coup, je fais le jet de force. Et attends, tu me dis quoi pour m'inspirer? Allez, gros bidon! Au régime! En avant! En avant, quinquant! Il y a de la bière là-bas! Il y a de la bière! Vas-y! Il a plein de bière! Essaye de l'attacher pour lui voler! Il y a des chances que ça marche mieux déjà! Allez, force! Je sais que tu n'y arrives pas! Tu n'y arrives pas! T'essayes de lui passer la corde autour, mais tu vois qu'il se débat très fort! Et du coup, la corde elle se rompt! Et... Oh non! Ça ne marche pas! Ma corde! Harris. Alors, moi je vais me déplacer. Je me déplace ici. Et j'essaie de la paume de mon épée, j'essaie de l'assommer. Très bien. Donc je le fais. Je fais un coup d'épée en fait. Et après, comme j'ai dit que je veux l'assommer, je vais. Ouais, t'inquiète pas, ça ne durera pas, ça me va. Ah putain! Mais ça fait ça. Ah oui, ouais. Bon, je recommence alors. Pour faire 2G. Ah bah, le deuxième même. Oui, ça touche cette fois-ci. Bon, je fais. Ça serait 7 dégâts si j'avais voulu le blesser, mais bon, c'est beaucoup moins et je l'assomme. On se fait. Très bien. Seulement, il n'arrive pas au bout de ses points de vie, donc il ne s'assomme pas. Du coup, je mets que la moitié des dégâts, étant donné que t'as dit que tu le sommet, mais il reste debout. Cul-sec. Et bah du coup, Cul-sec va se mettre en mouvement à une vitesse insoupçonnée. Vous voyez son gros ventre qui se secoue alors que Cul-sec court. Mais depuis cet endroit-là, je saute et j'essaie de lui faire une prise de catch pour l'assommer au sol. Je donne un coup de bide. Une prise de catch, ouais. C'est de l'acrobatie ça. Hein. Je saute en l'air et j'essaie de l'attraper et de l'immobiliser, quoi, ou de l'assommer, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, de le mettre hors de combat sans le tuer. Bah vas-y, fais un jet d'acrobatie, vu que tu fais une prise de catch. Je fais un jet d'acrobatie. Je fais 5 pires. Mon dieu. Oh là, j'imagine la scène. Je fais un salto. Ouh. Arrête, tu fais un double salto et tu lui atterris dessus. Tu l'écrases, il s'effondre par terre, sur le dos. J'ai même un bruitage. Oh, le pauvre homme. Alors, c'est affreux. Il n'est pas mort, mais du coup, il est effectivement assommé au sol. Et voilà pour lui. Donc, elle est où la bière? Je savais qu'il n'avait pas de bière. Donc, ça va, je me penche. Oui. C'est Pramian, le druide du village. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je me penche sur lui et j'essaie de voir effectivement. Donc il est enchevêtré, et tu me dis ses bras sont à moitié transformés en branches, c'est ça? Oui, en fait, oui, il est déjà en train de se transformer, donc c'est pas comme si c'était enroulé autour de ses bras, c'est vraiment, tu vois qu'il y a de l'écorce à la place de la peau, d'ailleurs les marques que vous lui avez fait, c'est de la sève qui coule, donc tu vois qu'il est déjà en train de se transformer. Moi, je fais le tour de cette vaste pièce, voir si
je trouve des indices, quelque chose peut-être qui est... Moi, je m'adresse à Elia et je lui demande si il y a des choses qui sont changées dans cette pièce par rapport à ce qu'elle avait vu. Alors, Lyraël, toi qui fais le tour, tu trouves pas grand-chose. Il y a, on va dire, du décor, il y a des chandeliers, des choses comme ça, mais il n'y a pas de... Enfin, tu trouves rien de particulier. D'accord, il n'y a pas de traces de combat, il n'y a pas de... Oui. Non. Par contre... Très bien, tu sais qu'elle attache le druide avec la corde, pourquoi pas. Et Harris, toi, quand tu t'adresses à Elia, elle te dit la salle ressemble à ce que je... Quand je suis venue, la seule chose qui change, ce sont les roses, elles semblent fanées. On parle des roses qui sont dans le bassin ou celles qui sont... Qui sont dans le bassin, les roses dorées, ouais. En plus, j'ai peut-être un peu marché dessus. Je m'approche. Je m'approche du bassin et. C'était déjà des années avant. Regarde s'il y a quelque chose dans l'eau. Non, tu vois que tu vois rien de particulier. C'est juste des. D'ailleurs, tu trouves que c'est étrange parce qu'il y a une espèce de terre et normalement les roses ça pousse pas dans l'eau, mais donc là elles poussent très bien. Et hormis les grosses traces de pas de cul sec que tu vois, c'est vrai que tu vois que les roses, elles ont un air un peu flétri. Pas morte, mais un peu flétri. Est-ce que dans les roses, je demande à comment elle s'appelle ? À Elia. C'est une de ces roses que vous avez prises ? Oui. Et je regarde, est-ce qu'on en voit s'il y en a une qui a été coupée ? Justement, est-ce qu'on voit une tige qui... Quand tu regardes, il y a deux tiges qui sont coupées. Et vous en avez... Ah ! Vous en avez pris une ou deux ? Moi, je n'en ai pris qu'une seule. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a coupé une de ses fleurs. Je retourne sur le druide, peut-être, non ? Ouais, on va regarder si le druide il a une fleur sur lui. Et effectivement, quand vous fouillez un peu sur le druide, vous trouvez une rose d'or qui est un peu plus flétrie que celles qui sont dans le bassin. Mais qui a l'air encore en vie. Peut-être faut-il essayer de la raccorder à son pédoncule d'origine, non ? Non, il n'y avait aucune... C'est comme ça qu'on dit un pédoncule. Moi, tu m'insultes. Tu chifferas. Pourquoi ? Voyez-vous, vous m'étiez insulté, mais non, c'est vous. Hein. Bon, bah, vas-y. J'ai hésité à le dire, le vrai nom, mais j'ai dit, bon, c'est le vrai nom. C'est une tige. Tu cherches la bagarre. Vas-y, Kellen, c'est ton idée, vas-y. Écoute, je prends la rose qui était fanée et j'essaye de la... Je suis pas du tout sûr, je connais rien en magie, mais bon, je me dis peut-être que si je la pose sur une des tiges qui était coupée. Très bien. Et à ce moment-là, il y a un silence pesant qui se fait dans la pièce. L'air devient très lourd, la lumière se tamise... Et vous entendez une voix qui vient... Ça a l'air de venir d'en haut, mais ça aussi a l'air de venir de partout, tout autour de vous. Et vous entendez une voix féminine vous dire « Ami aventurier, vous avez ramené la paix dans mon sanctuaire. Et pour cela, vous avez toute ma gratitude. Mais comprenez bien, une déesse ne peut être affaiblie de fidèles qui se détournent d'elle. Je n'ai pas retiré ma protection à la région de Ronstour. Mais Pramian, par son acte, a brisé le lien que j'avais avec la région. » Et permis à un mal ancestral de se répandre à nouveau aux alentours. Si vous ne pouvez rien faire pour nous venir en aide, pouvez-vous au moins porter ce message dans la région ? Peut-être des fidèles répondront à l'appel. En attendant, je vous accorde à tous ma bénédiction. Soyez-en dignes, amis, et que la chance se tisse dans la trame de votre destin. Merci ! Et vous allez tous me jeter un des 12. Eh ben, merci. C'est bien gentil. Pas souvent les des 12. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Et alors, attendez, je vais. Et la 12. Oula. Et la 12, ok. Kellen 6 et Lyraël 2. Et bah, c'est parfait ça. Alors, Lyraël, tu obtiens la bénédiction d'amélioration d'armes. Une des armes non magiques en votre possession devient une arme +1 à chaque fois que vous la maniez.
Trop bien. Bon, alors, vu que t'as joué en premier, Kellen, ça va être toi, on va dire que t'es en dessous. Toi, t'obtiens une bénédiction de cicatrisation. Cette bénédiction vous confère les avantages d'une amulette de cicatrisation. Je pourrais te linker le truc. Je crois que je crois savoir ce que c'est. Ouais, je pense que vous devez savoir, il y a des chances. Aris, c'est la bénédiction de la compréhension. Votre valeur de sagesse augmente de 2. Bon. Pusek, c'est une bénédiction de protection. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 à la CA et au jet de sauvegarde. Oh, c'est permanence ? Oui, c'est des bénédictions permanentes. Yes. Wow. Et là, il va être très beau, il va être refaire le visage. Et Bella, tu obtiens la bénédiction du Valhalla. Cette bénédiction vous confère le pouvoir de convoquer des esprits combattants comme si vous aviez soufflé dans un corps du Valhalla en argent. Oh. Une fois cette bénédiction utilisée, vous devez attendre que 7 jours se soient écoulés avant de pouvoir la réutiliser. Ouais, désolé, gros bidon, Valhalla, ça te parle, hein. Voilà quoi. Vous êtes donc dans cette salle avec Pramian qui est ligoté. Et donc l'air se dissipe, la chaleur remonte, la lumière revient. Et quand vous regardez Pramian, vous le voyez expirer dans son dernier soupir. Et vous voyez sur son visage que ses traits se détendent, que les ronces qui étaient sur ses bras se détachent un peu et se relâchent au sol. Et vous comprenez, même si vous n'en êtes pas sûr, mais vous comprenez qu'il est parti en paix, car vous avez remis la rose qu'il avait volée dans la fontaine. Pauvre homme, la dernière chose qu'il aura vue aura été mon postérieur. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est pas une belle mort. Hein. Ah oui, quelle vue horrible. Et moi, je m'adresse à Elia et je lui dis je pense qu'il faudrait que tu en fasses autant, que tu remettes la rose que t'as pris. Ah, vous pensez ? Oui, tu as bien vu l'effet que ça. Mmh. Tu as bien vu ce que ça a fait, la rose que le druide a pris et. Elia, écoutez, Aris, soyez raisonnable, je vous offrirai des fleurs si vous le désirez. Non, mais vous avez raison, Aris. Après tout. Ou autre chose, des chocolats. Et tu vois qu'elle se colle contre la fontaine, elle est en train de moitié. Elle est moitié assise sur le bord. Et des elle araignées sort, rôties. Oula, non, pas d'araignée. Et elle sort de son corsage une rose qui, elle, est pour le coup très vivante, enfin, pleine santé, contrairement aux autres. Et elle la dépose, elle aussi, dans la fontaine. Par contre... Voilà, c'est fait. Ok. Par contre, cette déesse, elle parle de mal. Que malgré le fait qu'on ait réussi, entre guillemets, que la malédiction ici soit levée, un mal a été levé. Vous savez de quoi elle parle ? Non, je ne sais pas du tout. Je pensais réellement que c'était une offense au temple ou la disparition de son druide qui faisait ça. Je ne sais pas de quoi elle parle. Il faudrait peut-être signaler qu'en fait, il faudra signaler au duc que malgré le fait que qu'on ait réussi, entre guillemets, d'ailleurs ramener le corps. Il est là le corps du druide ? Il est là ou c'est, oui. Ramener le corps, mais signaler que malgré la réussite, a priori, les attaques qu'ils subissent vont rester. Oui, 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 c'est ce qu'a dit la déesse, vous avez raison, il faut prévenir la région. Je passerai voir le duc à l'arrivée, si... Bon, quand on reviendra. Je pense qu'on va donc prendre le corps du druide et le ramener. Très bien. Donc on fait, Oui, on pourrait le manger. Non, l'enterrer, je veux dire. Cela vous dira un chiffre l'enterrer. Qu'on prenne un peu de repos avant de repartir. Mais non, pas fatigué. J'ai été blessé, j'ai besoin de retrouver mes forces, ne serait-ce qu'une heure. Attends, laisse-moi faire. Je te mets la main sur l'épaule et je te fais un soin. Voilà, tu récupères 5.
Ce gros bidon sait tout faire, hein. Vraiment, quel talent. Je te remercie. Ah oui, c'est vrai. Hop, je te remercie. Mais il n'a pas mon charisme. Vous voulez vous reposer quand même ou du coup c'est bon? Non, c'est bon. Non, je voulais retrouver les forces. Mais... C'est good. On va en ressort. Par contre, j'enveloppe le druide dans un drap, s'il y en a, ou une couverture, et je le porte où l'un de nous peut le porter, quoi. Mon serviteur, il t'aide à le porter. Ah oui. Du coup, vous voyez Pramienne flotter derrière vous. Bien pratique. À peu près 1m50 du sol. Mais il s'est réveillé. Vite, attaquez-le. Vas-y, faites le cul encore, cul sec, vas-y. Alors, ne bougez pas. Salle-toi rien. Très impressionnant, très impressionnant. Est-ce que ça va marcher ça? Oui. Hop. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez? Le chat. Ah oui, des fleurs. On est là. On est à l'extérieur. Ah oui, oh, oui, mais on est à l'extérieur de la tour et ça a changé. Bien vu. Ça a fleuri. Du coup, effectivement, vous redescendez dans le labyrinthe et vous constatez que non seulement la météo est beaucoup plus clémente et qu'il fait bien meilleur, mais qu'en plus, le labyrinthe a refleuri. Et que il est parsemé de fleurs de toutes les couleurs qui sentent particulièrement bon. Mais Bella va guérir. Non, je t'ai pas. Mais c'est pas les mêmes fleurs, on peut les cueillir celles-là, non. Voyons. On ne sait pas Bella donc. Mais si, vous avez bien. Bella, ne faites pas ça. Et je cueille une fleur. Ce serait pas mal. Et je la porte à Elia. Mais non. Mais non. C'est ma fleur. Gros bidon. C'est mon idée. Et du coup, t'arrives avec ta fleur devant elle et elle te regarde et elle se baisse du coup et elle prend la fleur. Bah merci, mais j'ai comme l'impression que c'est pas une très bonne idée de voler les fleurs dans le jardin. Ah, c'est vrai. Mais c'était l'idée de Bella. Écoutez. Oui, c'est mon idée. C'est moi qui vous l'offre, c'est pas lui. Je vous souhaitais qu'elle vous porte de vous la donner, mais c'est moi. Belle Elia. Très bien, merci. Et elle la prend et bon, elle la met, elle la tient dans sa main, mais elle sait pas trop s'il faut qu'elle la garde vu les malédictions qu'il y avait avec les autres. C'est pas les mêmes. Ce jardin est magnifique. Oui. Moi, j'ai vu mieux. Ce serait bien s'il le restait. Mais je me suis perdu déjà. Je crois que c'était vers le nord, là. Vous devriez passer devant et pas me suivre. J'ai perdu le truc. C'est un peu risqué. Suivez-moi. Vous savez, j'ai vécu dans des grottes. Alors, les grottes, ça ressemble à des grottes. Et là, je suis pas dans mon... Et là, ça ressemble pas à des grottes. Je commence à reprendre un peu de vocabulaire depuis que je suis avec vous. Je parle différemment. Oui, tu apprends bien vite, dis donc. Oui, je... Bella, bien. Bella, bien avec vous. Je peux rester un peu encore. Bah, il faut voir qu'on fasse le retour. Oui, mais après, il va bien falloir que vous vous occupiez de Bella. Ah bon? Bella, pas rester seule. Bella, amie maintenant. Comment t'as fait pour sortir de ta grotte d'ailleurs? Mais j'avais plus de papier. Il fallait que je J'avais plus de papier. Mais là, écrit beaucoup. C'était pas ici. Harry s'est trompé. Il s'est perdu, Harris. Il s'est perdu comme le pain. Ah, le pain perdu, oh là là, moi je dis. Le pain perdu, le pain Harris. Je comprends. De quoi je parlais déjà? Oui, les grottes. Vous savez, les grottes. C'est moche, hein, 60 ans dans une grotte, ça transforme un homme. Hein. Bah, ça ne tenait qu'à vous de sortir de cette grotte. Mais les enfants jetaient pierre à Bella. Je sais pas où vous êtes d'ailleurs, les enfants disaient que j'étais un monstre. T'es où? Ah oui, je suis devant un coffre, c'est quoi ce truc? Je me suis perdu. T'es où? Je te vois pas. Ah, je pique.
Ah oui, Théo. Eh bah, du coup, tu viens de trouver un des mystères du labyrinthe. Il va y avoir un combat. Non, tu es pas. Par contre, tu es très très loin des autres. Oui, mais tu as perdu. Rigolé tellement que je vous ai plus. Je sais plus où ils sont. On a perdu Galen. Et du coup, tu tu tombes sur 50 pièces d'or. Oh. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non, non, le guerrier. Bon, bon je les prends et je distribuerai. Et par contre, tu n'es pas obligé, ils ne sont pas au courant. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu repartes vers le sud. Faut que tu repartes par là. Hop, et d'un seul coup, par magie, vous voyez Kellen arriver derrière vous. En courant. Mais alors, Kellen, vous aimez pas mes histoires de grottes? C'est ça. Oui, c'est ça, ça doit être ça, oui. J'en ai vu des grosses, des grottes. Hein. Des grosses grottes. Elia jette un petit coup d'œil à Cusseg, voir ce qu'il dit. Ah, il dit rien, il dit rien. Il regarde en disant... T'as genre l'air de dire, vous voyez, il est complètement... Mais non, j'essaie de vous amuser. Je suis un peu comique, vous l'avez bien vu. Je ne le fais pas exprès. Je sais plus où il faut aller. Où est-ce que vous allez? Je sais plus. C'est la bonne route, c'est vers le sud, ouais, c'est ça. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Oh là là. Il faut aller au sud, toujours au sud. La tête qui tourne. C'est par là, c'est sûr et certain. Ça remonte. Il y a le serviteur qui est d'un côté qui a le druide et de l'autre il chope Bella. Aïe! Lâchez-moi! Mais vous savez, gros bidon, je pourrais vous inviter en grotte à Bella. On mangerait des pâtes d'araignée tous les deux. Ça pourrait être sympa. Bella, je commence à vous apprécier, mais je préférerais qu'on aille à l'auberge. Mais il n'y a pas des pâtes d'araignée à l'auberge. Ah oui, c'est tout l'intérêt d'une auberge. C'est beau, c'est vert, il a fleuri. Et donc, avec plus ou moins de mal, vous atteignez la sortie du labyrinthe. Et vous reprenez la route. Alors attendez, je vais vous copier pour vous ramener après. Et... Hop. Ah, il en manque un. Ouais, j'avais pas Bella. Ah, il fait des tours sur lui-même. Bella, il est bourré, ça, il est penché. Et donc, vous reprenez la route par laquelle vous êtes venu. Mais vous remarquez que le sol a séché et que le soleil qui commence, on est en fin d'après-midi maintenant, qui commence à descendre, est beaucoup plus chaleureux que votre allée. La météo est beaucoup plus clémente et effectivement, il y a comme s'il y avait des fleurs qui avaient refleuri, un peu comme par magie tout autour de vous. Il y a des petites fleurs dans les champs de toutes les couleurs et la vision est beaucoup plus agréable qu'à l'allée. Oh, c'est dommage. Franchement, bien c'est beau. Toute l'eau qu'il y avait. Mmh. Il fait meilleur, mais il fait jour. Vous n'aimez pas la lumière. La lumière. Oui, la lumière. Il a peur de lumière. Et du coup, il met sa capuche sur ses yeux en baissant la tête. Un peu. Oui, j'ai froid au cul. C'est la jupe, ça. Oui, il y a un trou. Tu t'es accroché dans les ronces. Oui. Ça fait mal. Et du coup, vous remarchez 2 à 3 heures dans le sens inverse. C'est beaucoup plus agréable, ça vous paraît beaucoup plus court. C'est plus agréable parce que je joue de la flûte. Attendez, j'ai un souci. C'est pas grave, je vais vous remettre. On est là. Nous sommes là. Vous êtes tous là? Moi, ouais. J'ai l'impression. On est resté là de tout à l'heure. Ah, il manque... Ah oui, bah parfait. Ah, parfait. Bah non, mais Liel, je crois. Ah oui. Encore? Il faut arrêter de marcher dessus à cette pauvre fille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'auberge? Non, il faut aller voir le duc Larsin. Vous pourrez venir nous voir à l'auberge quand même.
Mais il a... Mais non. On va le... Sinon, je sais pas, on peut peut-être demander s'ils ont des boissons à emporter. Ouais, et personne ne veut attendre. Allez, on va voir le duc. Vous pouvez attendre un petit peu... Non, on doit y aller. Je suis d'accord avec... Nous prendrons l'apéro, Lirael. Je pense que vous avez comme moi ce respect pour la boisson. Ah oui, moi j'aime bien. Bah moi aussi. Je trouve beaucoup d'inspiration en buvant. Hein. Ah oui. La plupart de mes plus grands chefs-d'œuvre ont été écrits sous l'effet de l'alcool. Alors par contre, ils sont partis. Les gens qui boivent, ils tapent leur femme. Hein. Alors. Moi je n'ai pas de femme. Faites attention. Ah oui, c'est pour ça que mon mari Bram ne boit pas du tout. Ah, vous êtes marié. Oh, ben, chanceux, mari, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai pas du tout entendu ça, puisque j'étais loin. Oui, j'ai pas entendu. Ou alors, si t'as les oreilles sur le vide, peut-être que tu entends mieux. Je ne sais pas. Ah, ici, il fait moins jour, on est mieux. Salut comptable, c'est Bella. Bonsoir. Alors, t'en es à combien de ton comptage? 282, 283, 284. Je suis perdue. Ah, je suis là. Ah, t'es là. Je savais plus où j'étais. Et du coup, quand vous atteignez la salle du trône, enfin l'équivalent, parce que c'est pas un roi, c'est un duc, mais bon. C'est nous. La salle du duc. La salle du duc, du coup. Vous voyez le duc qui est assis et qui se précipite vers vous et qui vous dit « Aventurier, comment ça s'est passé? Vous l'avez trouvé ?» Ben, je dépose... Il y a mon serviteur... Ah, oui, oui, voilà, ouais. On dépose le corps... Oui, à ses pieds. Très bien. Et vous voyez qu'il se met à genoux à côté et... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, vous savez? Mais... Il a subi une maladie. Non. Il a profané le temple de votre déesse et malheureusement une de vos habitantes l'avait aussi profané, ce qui a rompu en quelque sorte la protection. C'était pour ça, mais j'avais rien compris. Il faut protéger ce jardin là-bas, ce labyrinthe. Il ne vous arrive pas la même chose, parce que c'est dangereux. Non, en effet, il ne faut pas que ça se reproduise. Oh. Et vous pensez que la malédiction est levée? La malédiction est même élevée. Vous direz, il est mort. Ah oui, mais je crois que votre déesse s'est directement adressée à nous et elle nous a annoncé que... Un mal... Qu'est-ce qu'elle nous a dit déjà? Qu'un mal allait arriver ou était rentré? Le mal ancien avait ressurgi à cause de sa faiblesse, le fait qu'elle a été profanée. Et un mal ancien en a profité pour ressortir des ombres ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc pas cool, et quoi. Du coup, et ça, elle ne pourra pas l'empêcher. Je pense que... Malédiction. Tu l'as encarquillé. Je le ressecoue un coup. Arrêtez-moi. Oui, on t'arrête. Tu arrêtes maintenant. Je parle au duc, j'essaye d'être sérieux moi pour l'instant. Vous avez une idée de ce mal dont elle parle? Dont votre déesse a parlé, Timora? Non, ça ne me dit rien. Non, je ne vois pas de quoi elle parle. En tout cas, aventurier, je vous remercie. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, j'imagine, pour essayer de le ramener. Vivant, en plus. Oui, on l'a sommé avec le cul sec. Oui, on l'avait... Vos méthodes... On l'avait immobilisé. Vous avez essayé. On l'avait immobilisé, mais lorsque ADS a recouvré ses capacités, il est décédé. Ah. Donc il est parti en paix, je pense. Oui, c'est le mot. Ça me rassure. Bella a essayé de parler, mais lui, il s'est maudit. Voix dans sa tête, trop compliquée. Ah, bah oui. Il était déjà perdu.
Il était peut-être maudit lui aussi. Oui, ah, oui, là, il a dû subir une En tout cas, aventurier, je vous remercie pour votre aide et ce n'est pas grand-chose, mais je peux vous offrir 50 pièces d'or chacun pour l'aide que vous nous avez apportée, en espérant que la malédiction se lève. Mais c'est fantastique. C'est formidable, merci. Bella gâté. Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter. Bravo. cool. Très très bien. Oui. Génial. Ah. Ça vous a plu? Oui, c'était trop cool. Mais là, je suis ravie que vous ayez tourné mon scénario un peu à l'eau de rose en dérision. Je me suis dit, s'ils le prennent au premier degré, on va se faire chier. Mais non, ça va pas. Non, on s'est pas fait chier. Le scénario qu'on a tourné au dérision, c'est nous-mêmes pour le coup. Oui. Mais moi, je veux rejouer avec ce perso maintenant. C'est nous la dérision. Tu vas devoir nous faire jouer. Il y a effectivement une suite à ce truc, si ça vous intéresse. Oh yeah. Moi, je veux savoir c'est quoi ce mal-là. Moi, je suis dispo demain. Alors, moi, pas du tout. J'avais absolument pas prévu. J'ai bossé la première partie, pas la deuxième. Donc, mais je bosserai la deuxième si ça vous a plu. Bien sûr. Ah ouais. Cool. Oh, c'était cool. Félicitations. Ouais. C'était vraiment, tu nous as vraiment emporté dans ton univers pour ce soir. C'était vraiment cool. Franchement, ça fait plaisir de refaire du D&D en joueur. On peut dire qu'il est... Je me suis régalé avec ce perso, avec vous tous. C'était très très drôle. Ton perso était... Vous l'avez bien meublé, l'univers. Hein. Oui. Ah, j'avoue qu'il y avait un moment quand même que j'avais pas pris de telles crises de fou rire. J'ai dû m'arrêter, je pleurais. Donc... Bonne nuit. Ouais, Guido, à dimanche. C'est tard, plutôt. Allez, bonne nuit, ciao. Salut. Ciao, bye.